Coucou à tous. Donc ça y est, c'est le répondeur numéro 3. Avec un peu de retard, désolé, j'ai eu quelques petits problèmes techniques. Donc j'ai pas pu le faire avant. Voilà. Et donc avant de commencer ce live, j'aimerais bien dire quelque chose aussi. La dernière fois, j'ai confondu Alain Titis avec Alain de Nîmes. Donc les deux m'ont écrit, m'ont dit non, mais c'est pas moi. Tout ça, donc voilà, désolé la dernière fois. C'était Alain de Nîmes qui avait posé une question et non Alain Titis. Et puis j'en profite aussi pour saluer le chat. Hein. Je vois que vous êtes nombreux. Salut à tous. Et puis ceux qui sont pas encore habitués au chat, tout ça, n'hésitez pas à vous exprimer aussi. Hein. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas encore faire le premier pas. N'hésitez pas. Donc, avant de commencer avec les questions, on a reçu beaucoup d'appels où des gens, en fait, formulent des réflexions qui sont intéressantes. Mais pour un format question, enfin plutôt des affirmations, des thèses, tout ça, et c'est vrai que dans ce format question, c'est pas vraiment adapté, je pense surtout à Salomé. Donc Salomé, si tu nous entends, peut-être que tu peux prendre contact avec Radio YouTube et on va essayer de trouver une solution pour que tu nous parles un peu de ta thèse. J'ai bien aimé la thèse sur Clouzot, donc voilà, ça c'est fait. Et donc j'en profite pour accueillir les invités. Alors pour l'instant, on a surtout une invitée, on a quelques retardataires. Donc Electra, salut à toi. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver. Hop, bien sûr, j'avais coupé mon micro. Je propose qu'on ne perde pas de temps parce que cette fois, on a encore plus de questions que d'habitude. Je crois que là, on a de quoi faire encore 3 ou 4 lives. Donc, ce soir, on va vraiment essayer d'en faire un max. Donc, je propose de pas tarder et de commencer avec la première question. Bonjour, Pierre de Compiègne. Je voulais vous poser une question concernant le corbeau. Je n'ai jamais compris pourquoi l'appel téléphonique ou les appels téléphoniques n'ont pas pu être retracés au niveau des PTT. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Très bonne question. Nous aussi, on s'est posé cette question au tout début, en fait, quand on a commencé à enquêter. Electra, je pense que toi aussi, tu t'es intéressé à cette question. C'est vrai que aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de traces, quoi, des appels. On est tellement habitué à tout ça. Oui, bien sûr, c'est une question que tout le monde s'est posée. Ça paraissait invraisemblable. Surtout qu'à l'époque, on commençait quand même déjà à avoir des factures détaillées. Je crois qu'elles étaient encore payantes en 84, mais où on arrivait à avoir quand même au moins les premiers chiffres des numéros appelés. Mais ce système n'a été mis en place que très progressivement en France. Et je crois que les Vosges, malheureusement, ça a été un des départements les plus mal lotis et un des derniers, des tout derniers à bénéficier. Alors, je n'y connais rien en technologie, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'était l'installation des standards numérique par rapport aux standards avant, je ne sais pas exactement comment ça s'appelait. Enfin bon, c'était pas la même technique, quoi. Et puis, c'est seulement en 85 qu'il y a eu la grande réforme de la généralisation des numéros à 8 chiffres. Toujours est-il que, apparemment, tous les enquêteurs l'ont confirmé, SESMA le dit lui aussi, il n'y avait pas de possibilité de tracer. En plus, je crois que dans ces factures détaillées, on pouvait à la rigueur savoir les appels appelés, mais on ne pouvait pas savoir les appels entrants. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté qu'il y a eu. Et bien sûr, que si ça avait existé, si on avait la technologie, s'il y avait eu la technologie actuelle, le corbeau aurait été démasqué et coincé très tôt. D'ailleurs, il y a des corbeaux récents qui ont été démasqués. Il y en a un qui embêtait les Jacobs. Là, il a été pris, jugé, condamné très rapidement. Mais à l'époque, évidemment, on était dans l'inconnu total. Alors, la chose qu'ont utilisé essentiellement les enquêteurs, ça, Daniel en parlera sans doute mieux que moi, c'est les consommations. Essayer de vérifier les consommations des lignes téléphoniques des principaux protagonistes et suspects, on peut dire ça comme ça, et de voir s'il y avait des augmentations anormales à certaines périodes.
Et le fait est qu'on en a trouvé. On a trouvé des périodes sur donc les 3 ans ou 4 ans où ça a duré cette histoire. Il y a des périodes où chez certains, on voit une augmentation des communications soudaines et qui paraît plus importante. Ouais, exactement. En fait, à l'époque, on ne pouvait pas savoir qui avait appelé qui, mais on pouvait savoir à peu près dans quelle région ils avaient appelé. C'était comme ça que, enfin, si tu appelais dans ta région ou dans ta ville, ça coûtait moins cher que si tu appelais à Paris, ce genre de Voilà. choses. Et donc ça, on l'a quand même, on a à peu près les factures, même si c'est pas très détaillé, je trouve, hein. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est on voit clairement qu'en 82, là, je vous passe un petit graphique. Que j'ai trouvé, je crois, sur Twitter, mais on l'a vérifié avec d'autres données, hein, donc les données sont bonnes, quoi. Et on voit qu'effectivement, chez Marcel Jacob, en 82, il y a vraiment des notes très très élevées. On voit sur le 1, en fait, sur le graphique, au niveau 1, c'est les factures moyennes, en fait. Et on voit que quand même chez Marcel, c'est 4 fois plus élevé. Chez Jean-Marie aussi, un peu plus tard, en 83. Et en 84, c'est surtout chez Bernard Laroche. Et là, on a cette thèse. Hein, donc, apparemment, c'est parce que le copain d'Isabelle, qui habitait à l'époque chez Bernard, faisait son service militaire en fait en Allemagne. Et du coup, Isabelle l'appelait et donnait 50 francs après chaque appel à Marie-Ange. On voit pas le document. Enfin, moi, je ne vois pas le document, Daniel. Je ne sais pas si c'est normal, si du coup Oui, tout le monde le voit. les gens Le le voient. voit, d'accord. Si c'est que moi, c'est pas grave. Alors bon, ils ont été interrogés, bien sûr, les gens qui avaient des augmentations. En général, ils ont été capables d'expliquer. Ça correspondait à des périodes particulières. Il y a eu une forte augmentation également chez les Villemain à une certaine période. Mais ça correspondait justement. Alors, il faut savoir que c'est ça ce que disait Daniel, la tarification n'était pas la même selon la circonscription. Et manque de chance, les Villemain qui étaient à l'épanage, ils étaient peut-être sur la circonscription d'Épinal, enfin, ils n'étaient pas dans la même circonscription que le reste de leur famille. Donc, chaque fois qu'ils les appelaient, ben, ils payaient plus cher. Et comme ils avaient convenu entre eux de se rappeler, d'échanger chaque fois qu'il y avait une manifestation du corbeau, qu'en plus eux, ils étaient sur liste rouge, c'était toujours eux qui appelaient les autres. Et bon, et ça discutait des heures, bien entendu, pour qu'est-ce qu'il t'a dit, et voilà, et comment il s'est comporté, comment était sa voix, etc. Bien entendu, je pense que c'était des communications assez longues, et donc c'est pas étonnant que leur propre consommation ait pu être plus élevée à la période de forte activité du corbeau téléphonique, c'est-à-dire ju jusqu'à la pose de la table d'écoute, où là, ça a sensiblement, enfin, ça a tari quasiment ces communications. Tout à fait. Donc voilà ce qu'on peut dire. Malheureusement, techniquement, à l'époque, ils n'avaient pas les capacités pour savoir qui a appelé qui. Après, moi, j'étais sur une petite piste intéressante aussi. Apparemment, il y a quelques enregistrements où on entend des tonalités de téléphone qu'on connaît tous, hein, quand on appuie sur des touches. Et je sais qu'en tout cas, ces tonalités, on peut les traduire en chiffres. Donc il y a des applications qui permettent de traduire ça. Nous, on s'est dit que, en fait, si le corbeau, ses tonalités, c'était parce qu'il appuyait sur bis, ou qu'il répétait le même numéro, mais peut-être qu'il a appelé quelqu'un d'autre, en fait, un complice ou une autre victime. Et si on réussit à avoir ces cassettes, on pourrait retracer, en fait, voilà, ces tonalités, les traduire en numéro et peut-être en savoir plus. Mais bon, je pense que. C'est juste une idée comme ça. Oui, surtout que quand tu parles de la touche bis, etc., c'est les seuls téléphones à touche qui avaient ça. Il y en avait très très peu à l'époque. On était encore au téléphone à cadran presque partout. Et je crois qu'il y a eu une recherche justement qui a été faite par les enquêteurs. Et ils avaient isolé une ou deux entreprises qui possédaient des téléphones à touche, dont la SIPA, si je me rappelle bien. L'autre entreprise, je ne sais plus exactement. Et je crois qu'il y avait un médecin aussi qui disposait de ces téléphones à touche, mais qui commençait juste à sortir. Les autres, c'était encore le vieux système à cadran. Alors, justement, les appels certains appels ou qui sont passés extrêmement rapidement, on entend ce bruit de touche
Et on peut imaginer qu'ils ont été passés sur des téléphones à touche. Par contre, dans les cabines téléphoniques, il y avait peut-être déjà des cabines, elles n'étaient pas toutes à cadran, il y avait probablement déjà un certain nombre de cabines à touche. Donc ça ne renseigne pas forcément de manière très pointue, parce que c'est très probable que le corbeau appelait aussi, enfin, les corbeaux, puisqu'il y en avait plusieurs, appelaient certainement aussi des cabines. Oui, tout à fait. Il faudrait croiser en fait, voir si on entend ces tonalités, par exemple, quand on entend aussi en arrière-plan des machines ou des choses comme ça. Mais malheureusement, on n'a pas accès en fait à toutes les cassettes non plus. On sait qu'il y a certains enregistrements, mais on n'a pas tous les audios en notre possession pour faire ce Non, travail. il y en a qui sont devenus d'ailleurs, paraît-il, inaudibles. Déjà à Dijon, ils ont essayé d'en passer un qui, vraiment qu'on n'arrivait plus du tout à entendre, je crois, tellement les bandes sont enfin usées, mauvais état de conservation, etc. Mais c'est vrai que d'ailleurs, je pense que peut-être dans un prochain live ou quelque chose, il faudra en parler. Moi, je crois qu'une des pistes qui a été insuffisamment explorée, c'est justement celle des bruits de fond. Si, vu que la numérotation, etc., c'est un peu fermé, c'est pas facile à suivre. Par contre, les bruits de fond, le non-lieu en cite un certain nombre d'ailleurs. Il y a le rythme très régulier d'un métier à tisser. Il y a des bruits d'animaux. On entend des chiens aboyer. Tout le monde n'avait pas de chien. Il y a au moins deux cassettes sur lesquelles on entend des oies. Et c'est la même chose. Il n'y avait pas beaucoup dans les protagonistes de gens qui avaient des oies. Il y avait des oies chez les Bols et il y en avait. Bon, je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère m'abstenir. Enfin, je crois qu'il n'y avait que deux endroits où on est sûr qu'il y avait des oies. Il y avait d'autres types de machines, alors qui peuvent faire penser à des machines à coudre ou à des machines à tricoter. On sait que Jean-Marie Villemain s'est intéressé à la machine à tricoter de Ginette, puisqu'elle faisait du. Elle avait une machine à tricoter. Des choses de ce genre. Là, il y a les fameuses histoires, les marches, les fameuses marches que Albert avait comptées. Alors, on parle toujours des 13 marches, mais en réalité, il n'en avait pas compté 13. Il en avait compté 15 ou 16, je crois. Voilà, ces bruits-là mériteraient quand même probablement d'être étudiés. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que c'est compliqué quand même d'étudier les cassettes. Moi, j'ai essayé de retravailler ça avec Audition, tout ça, tu sais, d'essayer d'enlever les bruits de fond, tout ça, mais c'est quand même difficile, quoi. Elles sont vraiment détériorées. Là. Mais ouais, effectivement, c'est un travail à faire. J'espère qu'on a répondu à cette question. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont écrit dans le chat, effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui s'amuse à corbeauter, en 2-2, il se fait griller, en fait, hein. Bien C'est sûr. sûr. C'est fini ce bon temps-là. Il est terminé. Alors, question numéro 2. Bonsoir, Jean-François de Maison Alfort. Donc voici ma question. Puisqu'elle représente l'un des principaux alibis de Bernard Laroche, qu'en est-il du témoignage de la tante Louisette? Certes, c'est une personne qui présentait un handicap, mais elle a certainement dû être interrogée à l'époque des faits. Pourquoi n'en est-il pas plus souvent fait mention? D'autant que l'on a pu constater qu'elle pouvait être parfois, dans le peu de témoignages que l'on a eu d'elle, peut-être moins en capacité de camoufler quelque chose et donc de faire preuve, pour le coup, de spontanéité. Pourquoi ces auditions n'ont pas été plus exploitées que cela? Voilà, je vous remercie pour votre point de vue. À bientôt. Merci pour ta question, très intéressante. Donc là, on a cherché quelques documents. Et je pense que je vais laisser la main à Electra parce que tu connais quand même ça beaucoup mieux que moi. Moi, je vais essayer de t'aider avec Oui, des voilà. beaux morceaux de PV, tout ça. Voilà. Ben oui, Louisette, c'est quelqu'un de très intéressant et. Enfin, là, c'est une opinion personnelle que je me permets de donner. Pour moi, c'est un des témoins vraiment fondamentaux du dossier, parce que de l'avis unanime de la famille, c'est sûr qu'elle avait un assez gros handicap, mais tous les gens de la famille qui ont été interrogés ont tous dit qu'en réalité, elle avait tout de même toute sa tête. Elle était capable de cuisiner, elle avait été capable de s'occuper des enfants, Jacob, assez petit, elle avait une relative autonomie, même si elle ne savait pas lire l'heure.
Et surtout, elle avait cette espèce de spontanéité des gens simples d'esprit. Elle ne savait pas mentir. C'est-à-dire que Louisette, elle répétait les choses exactement comme on les lui avait dites. Ce qui fait que dans une même phrase, elle peut se contredire. Enfin, elle répète comme si elle avait enregistré ce qu'on lui a dit, sans forcément réaliser que les deux morceaux qu'elle met dans la même phrase se contredisent. Par exemple, elle dit voilà, Muriel Matissa m'a dit que Bernard, qu'elle avait bien accompagné Bernard, etc. Enfin, son témoignage est très précis, là, Daniel va vous faire voir les procès-verbaux. Et puis, elle continue à parler un petit peu, puis à la fin, elle dira, oh, mais de toute façon, c'est très bien que c'est sa mère qui l'a tué. Parce que c'est pareil, c'est une chose qu'elle a entendue dire, et ça ne la gêne pas de dire ça tout de suite après avoir dit, elle le dit d'ailleurs dans un article de Paris Match où elle a été interviewée. Alors j'ai demandé à Bernard si c'était lui qui l'avait tué, mais de toute façon, si alors il m'a dit non, mais de toute façon, si c'était lui qui l'avait tué, il ne me l'aurait pas dit. Elle est complètement nature. Alors, elle n'a pas su s'exprimer beaucoup lors de pendant la première enquête. Elle n'a été interrogée finalement que dans la confrontation du 9 novembre, qui a eu lieu donc chez le juge Amber. Bon, alors on essaie de lui poser la question, est-ce que Bernard était là, était pas là? Je crois qu'elle a un peu bredouillé. Lambert, ça lui faisait un peu peur d'interviewer Louisette, je crois. Je pense pas qu'il l'ait interrogée de manière très. Enfin, ce qui en ressort, c'est qu'elle a surtout parlé du dîner où ils avaient mangé des raviolis. Et je crois qu'on n'a pas pu tirer grand-chose d'autre de ça. Bien sûr, le SRPJ s'y est pas du tout intéressé, ne l'a pas interrogée. Marie-Ange Laroche, tout de suite après la mort de Bernard, s'est débrouillée pour la faire placer sous tutelle, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus être interrogée sans l'autorisation du tuteur. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle n'a pas pu comparaître au procès de Dijon. Son tuteur s'y est opposé, a jugé que ce serait un trop gros stress pour elle, enfin que c'était pas compatible avec son état de santé. Alors, son témoignage a été lu par le président. Ces différents procès-verbaux ont tout de même été communiqués à la salle et aux jurés, mais elle n'a pas pu comparaître et être interrogée en personne. Et c'est le juge Simon seulement, donc il a fallu attendre que ce soit lui qui prenne la suite et qui instruise le supplément d'information. Lui s'est intéressé à Louisette et il a eu la patience. Je crois qu'il s'est déplacé d'ailleurs au moins une fois la voir, et après je crois qu'il l'a convoqué. Et là, il l'a auditionné longuement. Et en réalité, on a beaucoup plus de procès-verbaux de Louisette que ce qu'on pourrait croire. Alors, qui se contredisent parfois, parce que encore une fois, elle est totalement nature. Mais je pense que là, c'est bien, Daniel, si tu donnes quelques exemples, parce qu'il y en a qui sont très savoureux en plus des Oui. procès-verbaux de Là, Louisette. j'en ai Pas deux. drôle. Enfin, il y en a deux qui sont à l'écran, là. Donc, on a déjà. Ça, je trouvais intéressant. Lui demande à quelle date et pour quelle raison vous avez quitté Aumont-Zé. Et donc, Louisette dit, je ne me souviens pas de la date, mais je sais que c'était après la mort de Bernard. C'est Marie-Ange qui m'a mise à la porte. La seule raison que je connaisse est que la maison était à elle. Donc, là, enfin, on a l'impression, Voilà. voilà, qu'elle a été un peu écartée et qu'on l'a placée, quoi. Et puis un autre truc que je trouvais intéressant aussi, donc les gendarmes lui posent une question pendant l'interrogatoire, enfin l'audition. Est-ce que vous écrivez des bouts de papier de temps en temps? Et donc là, elle va dire, je suis fatiguée, j'irai au lit tout à l'heure. Et donc les gendarmes font une petite mention et disent, nous observons que Madame Louisette Jacob comprend parfaitement les questions que nous lui posons. Donc là aussi, c'est intéressant. Voilà. C'est vrai qu'elle est complètement spontanée et nature, cette brave Louisette. Elle est très amusante. Mais bon, ça, c'est un peu pour l'anecdote. Mais quand même, je pense que tu vas donner aussi les procès-verbaux de fond, qui, eux, là, sont vraiment intéressants quand elle raconte que Muriel, et c'est à plusieurs reprises que ça s'est produit, au moins deux, où Muriel, lui a confirmé, lui a certifié qu'elle était bien avec Bernard, dans la voiture. Et qu'ils avaient pris le petit ensemble. Et par deux fois, elle le dit, la deuxième fois en pleurant beaucoup. Alors, Louisette n'est pas très sûre des moments où ça se passe. Probablement, dès le premier soir, Muriel a dû lui dire quelque chose. Ensuite, c'est à la lecture du journal le lendemain matin, puisque ça.
se passe probablement chez Louisette. Louisette rapporte le journal et elle croit que, elle dit, comme elle sait pas lire, elle dit à Muriel, le fils de Michel a été tué et on l'a retrouvé mort. Et comme Muriel, elle sait lire, elle lit le titre et elle lui dit, mais non, c'est pas du tout le fils de Michel, c'est pas le petit Daniel, c'est le petit Grégory. Voilà. Et puis, le jour des funérailles, Muriel n'est pas allée à l'enterrement et je pense que c'est ce jour-là qu'elle pleure beaucoup. Enfin, c'est ce que dit Louisette. En pleurant beaucoup, beaucoup, elle m'a dit ça, elle m'a confirmé que Bernard était venu la chercher, qu'elle était avec lui. Et puis, il y a encore un ou deux autres procès-verbaux dans lesquels elle donne des détails. Je ne sais pas, puisque je ne vois pas ce que tu mets à l'écran, Daniel, si tu as pu les mettre, Oui, ceux-là. j'ai mis tout ça, donc on peut le voir, hein, parler de ça. C'était pas le même jour, c'était peut-être un autre jour. Elle m'a dit qu'elle était dans la voiture avec Bernard et Sébastien, qu'il y avait aussi le petit Grégory, que Bernard était descendu, mais je ne sais pas où, qu'elle n'était pas descendue avec lui et que Bernard était revenu sans Grégory. Puis il y a deux PV là comme ça qui sont intéressants. Après, effectivement, elle est revenue aussi sur ses dires, tout ça, un peu comme Muriel d'ailleurs. Soit il y a eu des pressions, soit effectivement elle est peut-être pas stable mentalement, quoi. Mais d'après ce qu'on voit là, les gendarmes ont l'air de dire qu'elle a quand même toute sa tête, hein. Enfin, toute sa tête. En tout cas, elle est capable de comprendre les questions et même Voilà. de certaines ruses aussi. Elle a une très bonne mémoire et elle récite les choses sans forcément. Elle fait pas forcément la relation entre des choses contradictoires qu'elle peut raconter parce qu'elle raconte ce qu'elle a entendu, tout simplement. C'est un peu comme un magnétophone finalement, Louisette. Mais elle est d'autant plus fiable que justement, oui, les petites ruses. Enfin, elles sont insignifiantes, les petites ruses de Louisette, c'est quand elle essaye de tirer une bouteille de vin ou de champagne à Jean-Pierre, des choses de ce genre. Mais bon, c'est quand même très naïf, quoi. Je veux dire, ce sont des ruses d'enfant, pour ainsi dire. Mais elle a pas l'esprit du mensonge du tout. Elle dit des choses brutes. Et je pense que ça peut être un danger aussi pour les gens qui sont voilà qui sont suspectés tout ça donc ça explique peut-être aussi le fait qu'elle ait été placée tout ça. Il y a quelqu'un qui a posé la question aussi si elle était encore vivante. Je crois pas hein, si je me souviens Non, bien. non, Louisette est décédée. Louisette est décédée dans la maison où elle était placée. Et il n'y a même pas eu de faire-part de la famille. Elle a été enterrée tout à fait à la sauvette. Et il y a eu un simple communiqué dans le journal, une annonce d'obsèques de Madame Louisette Jacob, c'est tout. C'est très triste. La famille ne s'est pas déplacée, n'a pas fait part. Voilà. Et sa fille Chantal, on ne sait pas trop en fait si elle est encore en vie. Hein. On n'a Alors, pas oui, j'ai trop. entendu les deux choses. J'ai entendu les deux versions contradictoires. Certains disent qu'elle serait déjà décédée, d'autres disent que non, elle est toujours en vie, placée dans une institution, elle aussi. Donc, je ne suis pas capable de vous dire ce qu'il en est exactement pour Chantal. Et voilà, là je Il y montre avait. aussi l'article de Voilà. Paris Match, tout ça, parce qu'il y a eu une rencontre aussi avec Jean-Ker, on a parlé sur le répondeur 2. Et apparemment Jean-Ker, lui, il a enregistré un peu tout, hein. C'était un journaliste un peu baroudeur et il a enregistré pas mal de choses. Et je pense que ces cassettes, si j'ai bien compris, elles sont dans les mains de la justice, c'est ça? On ne sait Très pas trop, probablement, très très probablement. probablement. Parce que Jean-Ker, effectivement, il travaillait avec un espèce de petit dictaphone qu'il avait dans sa poche et il enregistrait tout le temps tout le monde. Donc, quand on voit dans la série Netflix qu'on entend Louisette, mais que quand Bernard Laroche arrive là, c'est seulement un récit et qu'il ne fait pas écouter cette cassette, beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi justement c'est ça qui serait intéressant, ça serait de savoir ce qu'a dit exactement Bernard. Il est, à mon avis, enfin, moi je le crois tout à fait, il a bien entendu enregistrer Bernard de la même manière, parce qu'il n'a pas coupé son dictaphone, il l'avait tout le temps en marche. Mais je suppose que ces cassettes-là font partie du dossier, sont des pièces qui ont dû être versées et qui sont couvertes par le secret de l'instruction. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu
les communiquer, enfin, ni les communiquer, ni même être plus précis que ce qu'il dit, par exemple dans la série Netflix ou dans cet article. Mais l'article sur Louisette de Parrainage, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit toute cette espèce de. On voit à quel point elle craint Marie-Ange quand même. Il faudra pas le raconter à Marie-Ange, tout ce que je vous dis là, parce que je vais me faire gronder, j'ai pas le droit de vous raconter tout ça. Alors on sait qu'elle lui avait donné un grand bain la veille pour pas qu'elle sente mauvais chez le juge, et que tout en lui frottant le dos, ou dans le crin, ou je ne sais quoi, elle lui faisait la leçon de ce qu'elle devrait dire chez le juge le lendemain. Enfin, c'est un témoin que la famille a vraiment essayé, enfin la famille, que les proches de Bernard Laroche, en tout cas, ont essayé vraiment de contenir et de. Ils ont essayé d'éviter qu'elle parle au maximum et de neutraliser ce qu'elle, autant que possible, ce qu'elle aurait pu raconter. C'est elle aussi d'ailleurs qui confirme, Louisette. Alors ça, c'est un autre procès-verbal et ça, je pense que on l'avait pas mis de côté, Daniel, mais elle confirme par exemple que Bernard Laroche était ambidextre et que non seulement il pouvait écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite, mais qu'il lui arrivait même d'écrire avec les deux mains à la fois, en tenant, enfin, peut-être pour s'amuser, c'était peut-être des démonstrations qu'il faisait, il pouvait écrire des deux mains en même temps, peut-être pour amuser Sébastien, ou enfin je sais pas, quelque chose comme ça, mais ça, elle le confirme tout à fait. Voilà. Donc j'espère que ça a répondu à cette question et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur Louisette. Alors voilà, on nous fait parvenir pas mal de documents, donc je pense qu'on trouvera d'autres petites anecdotes comme ça. Mais effectivement, c'est intéressant tout ça. Je propose de passer à la question numéro 3. Oui, bonjour. Je suis très intéressée par l'affaire Villemain et j'aimerais juste poser une question à laquelle personne ne répond. Je souhaiterais savoir ce qu'a fait la mère de cet enfant, qui est la dernière à avoir vu cet enfant, le 16 octobre 1984, donc entre 16h52 et 17h32. Je souhaiterais savoir quel est exactement ses faits et gestes à cette femme. Parce que tous les témoins qui étaient sur place, personne n'a vu cet enfant jouer sur ce tas de cailloux. Donc, il faudrait peut-être, avant de parler de rap, de disparition, je ne sais quoi, il faudrait peut-être déjà commencer à se poser cette question, vu qu'il n'y avait pas de voiture de garée dans la maison, il n'y avait pas d'étrangers qui étaient devant cette maison ou aux alentours. Donc, moi, j'aimerais bien déjà qu'on pose la question à Madame Villemain, à savoir exactement ce qu'elle faisait dans cette maison avec son fils. Et pourquoi est-ce que d'un seul coup, il a disparu de son tas de cailloux s'il y était? Voilà, je vous remercie beaucoup et ben j'attends de vous écouter. À bientôt, au revoir, merci. Eh ben voilà, c'est fait, donc on va y Oui, répondre. sacrée oui, question. Ouais, je vois sur oui. le chat des gens disent ben, elle est repassée. Alors déjà, quand j'ai écouté la question, il y a un truc intéressant. C'est qu'elle dit la voiture n'était pas là. Non, en fait, c'est Bernard Collin qui lui dit qu'il a pas vu la voiture. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là, quoi. Non, Une il dit même personne pas qui qu'elle dit. n'était pas là. Il dit, j'ai pas, il dit même pas, je l'ai pas vue. Il dit, je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas regardé. Bon, alors, effectivement, c'est une question. Voilà, c'est une question qui paraît un peu retardataire, si j'ose dire, de poser cette question 36 ans après, quand on sait quand même que, oui, c'est ça. Il y a eu 36 ans d'instruction et que Christine Villemain est restée inculpée 8 ans. Ce qui est presque exceptionnel. Elle a été passée au peigne fin comme pratiquement aucun suspect ne l'est. Elle a subi 11 expertises psychiatriques, deux reconstitutions, au moins plus de reconstitutions partielles, mais deux très complètes de son emploi du temps. Elle a été interrogée des dizaines, peut-être même des centaines de fois. Elle s'est toujours rendue à toutes les convocations. Sans même faire, sans se prévaloir de son statut de partie civile, car les parties civiles ont le droit d'être assistées de leur avocat. Elle n'a jamais fait jouer cette clause et elle s'est toujours rendue à toutes les convocations seule, sans l'aide de son avocat la plupart du temps. Elle n'a jamais été mise en garde à vue. Quand elle a été auditionnée, par exemple, par le commissaire Corrazzi et Andrieu, c'est lui-même qui le raconte d'ailleurs. Je crois que l'audition a duré 11 heures.
Or, normalement, une audition libre ne doit pas dépasser 4 heures. Au bout de 4 heures, la personne doit être libérée, enfin, elle est libre de partir. On ne peut pas dépasser ce stade. Sinon, il faut mettre en garde à vue, parce que sous le régime de la garde à vue, la personne interrogée bénéficie d'un certain nombre de droits et de garanties. Christine n'a même jamais eu droit à ça, à ces garanties-là. Dès le début, elle a été interrogée très longuement, bien sûr, sur son emploi du temps, de cette demi-heure fatidique. Alors, elle a répondu tout à fait clairement et elle ne s'est jamais démentie. La seule chose qui s'est passée au début, c'est que Christine, en regardant l'heure du thermostat de sa chaudière, cet horaire-là était réglé sur celui de son entreprise, là, de l'atelier de confection, qui lui-même était réglé sur l'horaire du train pour que les ouvrières ne ratent pas le train. Voilà, donc en gros, tout ça avançait de 8 minutes sur l'heure légale en vigueur. Donc les deux ou trois premiers procès-verbaux, il y a cette confusion où elle donne des horaires qui sont décalés de 8 minutes. Mais dès que ça a été compris, et ça a été assez rapide, une dizaine de jours, on a compris qu'il y avait ce décalage qui venait de l'horaire de la chaudière. Le juge Lambert en a convenu, lui a dit: Madame, on va tout remettre à la bonne heure et il n'y a pas de problème, tout est clair et tout est. Voilà, tout tient debout. Pendant ces 30 minutes, enfin en gros 35 minutes si on veut, de toute façon, Christine est vue et ce qu'elle raconte est corroboré par bon nombre de témoins. Il n'y a guère qu'une période de 10 minutes à quart d'heure pendant laquelle. Elle n'est pas vue. Mais dès qu'elle sort de chez elle et qu'elle interpelle Monsieur Méline, le voisin, pour lui demander s'il n'a pas vu Grégory, ensuite elle voit Madame Clodon, elle descend au village chercher l'enfant, elle passe chez la nourrice, en bas du HLM, il y a toujours les autres voisines sont là, bavardes, Christine Jacot s'approche de sa voiture et l'interroge. On lui demande ce qui se passe, elle est déjà un peu affolée, elle cherche le petit. Bon, elle est vue à peu près tout le temps, elle est aperçue devant la poste et entendue surtout par le receveur aux environs 17h30, on va peut-être dire 28 ou 29. Après quoi, elle remonte par la rue des Bosquets. Et le fils Clodon, qui lui conduit son autocar de ramassage et qui est devant elle, la voit dans son rétroviseur. C'est ce qu'il dit en tout cas au procès de Dijon. Puis, bon, ben, il rentre l'autocar dans la cour de la ferme. On remet la ficelle et les vaches arrivent en face avec Madame Clodon. Donc, elle reste bloquée un certain temps là. Quand les vaches sont rentrées, Madame Clodon arrive à sa hauteur. Et là encore, il y a une discussion entre elles. Elle lui demande si elle a retrouvé Grégory. Donc elle dit non, je ne l'ai toujours pas retrouvé. Madame Clodon lui dit, j'ai vu des enfants là-bas qui jouent près du lotissement. Faites donc un petit détour pour aller voir ce que Christine a fait. Mais c'était des enfants plus grands. Et puis elle rentre chez elle, où là elle retrouve Méline qui l'attendait, comme elle lui avait demandé, au cas où Grégory serait revenu par lui-même pendant son absence. Et immédiatement le téléphone sonne, etc. Et à partir de là, elle n'est plus jamais seule. Alors, on sait à quelle heure s'est passé cet arrêt devant la ferme, puisque le contrôlographe du car du fils Clodon a pu être retrouvé, grâce au commissaire Corrazi d'ailleurs, c'est lui qui l'a fait extraire d'un sous-sol dans lequel il y en avait des milliers empilés, il a réussi à le faire retrouver, et ce contrôlographe qui fonctionnait très bien, qui a été expertisé, a donné un horaire qui est de 17h32 minutes, et je ne sais plus les secondes, vous me pardonnerez. Comme on a voulu encore vérifier ça dans la semaine qui a suivi, les gendarmes ont demandé au fils Clodon de toujours les appeler immédiatement à la gendarmerie dès qu'il serait rentré et qu'il aurait garé son car. Et ça a toujours parfaitement correspondu. Il les a toujours appelés entre 17h32 et 17h35. Il était très régulier dans ses horaires. Et c'est normal, un ramassage scolaire à 2-3 minutes près, c'est tous les jours le même horaire. Alors Donc là, là, la dame a posé quand même une question, elle disait, enfin, au moment où elle sort en fait, hein, ouais, elle amène Grégory, elle fait son repassage, c'est surtout oui. cette parenthèse. Et c'est vrai que
Quand on lit par exemple Anacrim, des choses comme ça, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est bizarre entre Méline, Clodon, Christine qui sort. Il y a quand même quelques contradictions, Oui, mais c'est il y a une possible quand même. contradiction là. Oui, sur. Alors, donc pour on va refaire à l'envers. Tu as raison, là, faire tourner la pendule à l'envers. Elle est vue par Madame Grandidier, en tout cas, quand elle monte la côte pour rentrer chez elle, et par Dourdan. Et elle dépasse Bernard Collin, l'homme aux Dalmatiens, qui continue sa promenade avec son chien. Elle le dépasse. Ils se font un signe de la main. Et aussi bien Madame Grandidier que Bernard Collin, dans un premier temps, dans leur première déposition, disent l'un et l'autre que l'enfant était bien dans la voiture. Madame Grandidier, c'est plus tard, à force d'être interrogée par le SRPJ, etc., et des années plus tard, elle finit par dire qu'elle est plus sûre. Parce que, voilà, d'habitude, le petit se trônait toujours debout, entre les deux sièges, à l'arrière, mais comme c'était tous les jours, elle finit par avoir un doute. Mais dans les tout premiers temps, quand elle est interrogée, elle est formelle, elle a vu le petit. Ensuite, bon, donc, elle arrive à la maison, elle gare sa voiture dans le garage sans porte, celui qui était en construction. C'est une voiture noire et elle la garde assez au fond. Et c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très visible de l'extérieur, cette voiture. Elle laisse Grégory dehors parce qu'il insiste pour rester dehors. Elle va lui chercher son bonnet qui était resté sur la table de la cuisine. Elle lui met son bonnet, elle lui donne sa pomme à manger, et puis elle le laisse jouer. Elle allume sa chaîne pour écouter les grosses têtes. Elle met le son assez fort et elle va repasser dans la pièce du fond. Et donc on peut imaginer que tout ça, ça commence vers 17h05, son repassage. Et c'est au moment où elle attaque les vêtements de Grégory, après avoir repassé le blanc, qu'elle pense et elle se dit, oh mais ça va, il a assez joué, maintenant il est temps que je le fasse rentrer pour, je sais pas, lui donner son bain, le préparer pour le dîner, etc. Et donc elle sort à ce moment-là et elle ne le trouve pas. Et elle s'inquiète pas tout de suite parce qu'elle fait le tour de la maison, parce qu'il jouait souvent sur le côté, avec ses petites voitures, il y avait des agglos empilés où il pouvait ranger ses petites voitures. Elle va jusqu'au coin de son jardin à elle, enfin derrière le garage, et là elle interpelle Monsieur Méline. Bon, et là commence donc toute cette recherche. Et en tout cas, l'horaire très précis, c'est celui qui est donné par Madame Clodon, qui a toujours été formelle sur cette heure-là. Quand elle le remonte avec son troupeau de vaches et qu'elle parle à Christine, qui attend que le troupeau soit passé pour pouvoir sortir sa voiture, il est 17h20 à sa montre. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Voilà. Et donc là, on a quand même un repère horaire très très précis. Donc en gros, c'est un quart d'heure pendant lequel Christine n'est pas visible. Et c'est tout à fait insuffisant pour faire ce qu'on prétend qu'elle aurait fait, ce qu'on a pensé, et en plus sans être vue. C'était impossible parce qu'il y a quand même à peu près tout le temps du monde sur la route entre les vaches, Madame Clodon qui arrive, etc., les uns les autres. Il y a d'autres parents aussi qui ramènent leurs enfants de l'école, en particulier les Grémillet qui ont eux aussi une voiture, une R5 noire. Mais qui n'a pas de bande dorée comme celle de Christine, et qui passe juste après. Et eux, ils prennent effectivement, ils continuent la rue de Bellevue, puisque c'est là qu'ils habitent. Mais si jamais une R5 a été vue là, ça n'est pas celle de Christine. Elle est bien montée, elle est bien montée en haut. Alors, il y a eu un petit cafouillage, effectivement, entre la promenade de Bernard Collin, l'homme aux Dalmatiens, qui redescend du bois quand Méline le hèle et lui dit demande, puisque tu vas passer devant chez moi, demande donc à ma femme si elle a vu Grégory. C'est au retour de sa promenade. Et Méline fait probablement une erreur parce qu'effectivement, au moment où ça se passe, il croit que Madame Clodon est déjà passée. Or, c'est probablement pas exact. Il se reprendra par la suite. Madame Clodon passe sans doute juste après. Là, il y a une petite incertitude. C'est vrai qu'il y a deux PV qui se contredisent. Mais ce n'est pas fondamental. Et au pire, ça jouerait sur 2 ou 3 minutes. Ça ne change rien au temps dont a disposé Christine, ou dont elle n'a pas disposé plus exactement, et au déroulement de ses faits et gestes. Donc on sait très bien ce qu'elle a fait. On connaît son emploi du temps. Et voilà, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Ce n'est pas pour rien qu'elle a bénéficié d'un non-lieu et qu'elle a été totalement innocentée. Ouais, j'allais en parler de ce non-lieu, et je vais vous le mettre dans le chat pour ceux qui connaissent pas. Hein. Et c'est vrai que c'est une bonne lecture quoi, pour vraiment comprendre
techniquement, c'est pas possible, en tout cas si elle était toute seule, quoi. Moi, j'y crois pas du tout. Et une autre, enfin, dans la question, il y avait une autre question, c'était que Christine est a priori la dernière personne à avoir vu Grégory. Ah oui, très juste. Alors, bon, ça, c'est typiquement une. C'est un présupposé. La dernière, par définition, la dernière personne à avoir vu Grégory, c'est la personne qui l'a mis à l'eau. Et la dernière personne qui l'a vu vivant, c'est la personne qui l'a assassiné. Et la dernière personne à avoir vu son corps avant qu'il soit retrouvé, c'est la personne qui l'a mis à l'eau. Et on ne sait pas qui c'est. Donc, c'est déjà tout à fait excessif de dire ça. C'est certain, elle n'est pas du tout la dernière personne à l'avoir vue. Si il est certain qu'il a, ce sont vraiment les conclusions de l'enquête et il n'y a aucune raison de les remettre en cause. L'enfant a été enlevé et il a été enlevé à 99% par Bernard Laroche parce que, comme je l'ai déjà dit dans un précédent live, malgré le nombre énorme de personnes interrogées, il n'y a pas de meilleur candidat dans le dossier et que lui-même est incapable d'avoir un emploi du temps qui tienne un tant soit peu la route pour cette journée-là. Chaque fois qu'il donne un horaire, un semblant d'alibi, c'est toujours faux. On s'aperçoit que rien ne tient. Il y a toujours des témoins qui l'ont vu ailleurs et bon, ça ne colle pas. Il n'a pas de preuves. Il n'est pas reconnu par les gens qu'il prétend avoir vus. Il n'est pas reconnu lors de la confrontation par les caissières du supermarché. Il n'est pas reconnu par Madame Julia, toujours pendant cette fréquentation, cette confrontation. Et voilà, il n'y a rien de certain. Donc, ça fait beaucoup quand même. Ce sont de très lourdes charges. Voilà, ce sont de très lourdes charges en ce qui concerne l'enlèvement. L'assassinat, c'est une autre affaire. Voilà, c'est... Ah, oui, alors donc, la dernière personne à l'avoir vue, oui. Alors, entre-temps, donc, il y a eu ensuite la déposition de Muriel. Et voilà, là aussi, c'est des gens qui l'ont vu en vie. Enfin, Muriel et Bernard l'ont vu en vie, probablement le petit Sébastien. Ensuite, Bernard leur est remis... On ne sait pas trop à qui. Muriel pense que c'était un ami de Jean-Marie. On peut penser que c'est cette personne-là qui est la dernière à l'avoir vue vivant. Mais ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. On n'est pas devin non plus. Mais en tout cas, en ce qui concerne Christine, ça paraît logique. En fait, elle habite là aussi. Donc, ça fait quelques mois qu'elle n'a plus entendu parler de ce corbeau, tout ça. Donc, elle a joué son enfant. Il y a des gens qui trouvent ça anormal, moi je trouve pas ça anormal du tout. Et en tout cas, j'espère qu'on aura répondu à ta question. Si je sens qu'on n'est pas tout à fait d'accord, je pense, avec la personne qui a posé la question, mais... Oui, visiblement. C'est quand même bien d'avoir les questions de gens qui sont peut-être pas d'accord avec nous. Je propose de passer à la prochaine question. Question numéro 3 bis. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Luc du Pas-de-Calais. Alors, bravo pour vos vidéos. Question numéro 1. Pensez-vous que parmi vos followers, il y a des protagonistes de l'affaire ou des gens de là-bas? Et sinon, pourquoi? Question numéro 2. Dans les années 80, il n'y avait pas de brouilleur de parole. Alors, comment faisait le corbeau pour se dissimuler et ne pas être reconnu? Ou bien n'était-il pas si proche que cela des protagonistes? Question 3. On parle d'une deuxième équipe, mais on n'est pas à la CIA ou à la DGSE. On est un milieu ouvrier des Vosges quand même. Question 4. Pourquoi Bernard Laroche serait-il encombré d'un témoin visuel pour commettre son forfait? Moi, si je voulais enlever un enfant, je n'embaucherais pas une tierce personne qui, s'il n'est pas complice, risquerait de tout raconter. Question 5. Sur son tas de gravier, le petit Grégory portait-il son anorak? Et sinon, pourquoi l'avoir habillé pour qu'il ne prenne pas froid? Point d'interrogation. Merci. Alors, merci Jean-Luc pour toutes ces questions.
Je crois que là aussi, on a un record. 5 questions en 29 secondes. Non, 1 minute 29, mais c'est vraiment pas mal qu'on a pris des notes quand même. Alors, la première question, c'était est-ce que parmi nos followers, il y a des protagonistes de l'affaire? Alors, ça, nous, on ne peut pas savoir. Hein. En tout cas, il On n'y en a sait pas. aucun qui s'est manifesté, quoi. Ou, je Qui pense se pas, veut faire après tout. reconnaître. Personne ne sait faire connaître, en tout cas. Bien sûr, c'est une possibilité. On pensait que des gens qui ont connu cette affaire, qui l'ont vécu en direct, protagonistes ou simplement témoins un peu éloignés, mais qui ont connu cette histoire-là, qui l'ont vécu dans la presse et qui ont subi la présence des journalistes et toutes ces enquêtes. Il y en a qui s'y intéressent probablement encore, et il est possible qu'ils écoutent nos vidéos comme ils en écoutent d'autres d'ailleurs, hein. Bien sûr, c'est très possible. Mais enfin, en tout cas, on n'en sait rien. On n'en sait rien et il n'y a pas, on n'a aucun signe qui nous permette de penser. Personne ne nous a contactés. On n'a aucun signe qui nous permette de penser que, voilà, des gens Ouais. identifiés, le font. Moi, ça me rassure d'ailleurs de ne pas le savoir parce que ce serait un peu angoissant quand même. Même si on essaye quand même d'être sérieux sur ce qu'on fait, tout ça, c'est vrai que on n'a pas le même recul que ces gens. Donc, Puis on peut quelque se part, tromper. on peut se On fait avec tromper, ce tout qu'on ça. a. On fait avec les éléments dont on dispose, avec les articles de presse, avec les quelques éléments du dossier qu'on arrive à rassembler de ci, de là. On peut commettre des erreurs, hein, et pour des gens si ces erreurs portent sur ces gens-là, bien sûr que pour eux, c'est extrêmement choquant. On s'en excuse par avance. C'est tout à fait involontaire quand ça arrive. Alors, il y avait une deuxième question de Jean-Luc, c'était sans brouilleur de parole, comment le corbeau déguisait sa voix? Cette question, elle revient sur une prochaine question, donc on la traitera séparément. Après, Jean-Luc nous disait aussi que pour lui, une deuxième équipe, ça paraissait peu vraisemblable. Moi, personnellement, je suis quand même sur la théorie du loup solitaire qui a tout fait tout seul, qui a pris un peu tout le monde de vitesse. Mais techniquement, une deuxième équipe est envisageable, hein. Et je pense que Electra, toi, t'es plutôt d'ailleurs sur une théorie avec une deuxième équipe, tout ça. J'hésite un peu sur les deux. Pendant très longtemps, avant que le dossier enfin que le cas des Jacob revienne sur le devant de la scène en 2017, bon, il y a longtemps, hein, qu'ils sont suspects, puisque le non-lieu en parle déjà, et il y a déjà longtemps qu'on se pose une question sur leur rôle. Mais enfin, pendant des années, il n'y avait vraiment rien, il n'y a rien dans le dossier, donc on a été réduit à se dire que Bernard Laroche avait probablement tout fait tout seul. Et c'est faisable, c'est certain. C'est d'ailleurs la thèse que vous avez défendue dans cette excellente vidéo, La piste de Bernard Laroche. Bon, vous avez privilégié certains lieux, on peut en envisager d'autres, mais Bernard Laroche pouvait très bien faire tout seul en deux temps, pas en un seul temps, ça non, c'est trop rapide. Mais en deux temps, c'était tout à fait faisable, en laissant l'enfant ou son corps quelque part, et puis en revenant plus tard, nettement plus tard, pour le mettre à l'eau lui-même à la nuit tombée. C'est tout à fait faisable. Ça suppose quand même de laisser le corps seul, sans surveillance, avec le risque qu'il soit trouvé. C'est un peu compliqué. Enfin, le corps ou l'enfant encore vivant, ce qui est encore plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on en arrive à envisager quand même une complicité de quelqu'un qui aurait pu assurer la surveillance de ce petit s'il a été séquestré pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne sait pas exactement, ni où d'ailleurs, dans un bâtiment, dans une voiture, quelque part. Il peut y avoir eu l'intervention d'une deuxième équipe, Bernard reprenant le relais après, ou au contraire, cette deuxième équipe s'étant chargée du reste. Et peut-être un reste au-delà de ce que pensait Bernard Laroche. Hein. Moi, je n'exclus pas ça, qu'il aurait pu être lui-même manipulé, qu'on lui a demandé de rendre un service, effectivement, à la famille, en emmenant cet enfant d'un point à un autre. Il l'a peut-être cru, on ne sait pas. Et puis que ce soit les membres de cette deuxième équipe qui l'auraient doublé, en quelque sorte, et l'auraient trompé.
Puisqu'il paraît qu'il y a eu quand même cette phrase, quand il a découvert cette mort dans le journal. Alors, c'est un récit de Marie-Ange, qui est quand même son épouse en plus, et qui a tout intérêt, bien sûr, à défendre son conjoint. Et c'est la seule source, hein, malheureusement. Enfin, il paraît qu'il aurait dit « Ah, les salauds, c'est pas possible ». Ils l'ont fait. Enfin, il aurait été surpris et complètement scandalisé de la mort de cet enfant, ce qui tendrait à prouver qu'il ne s'y attendait pas et que lui, c'était pas ça qu'il croyait faire. Voilà. Oui, c'est une possibilité. Même si c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué quoi, avec une équipe, tout ça. Mais voilà, comme tu l'as expliqué, ça reste néanmoins possible. Même si, voilà, par exemple, on lui dit, tiens, tu vas chercher l'enfant, et puis après, il le tue derrière son dos, tout ça, je trouve que c'est un peu... c'est pas que c'est un peu gros, mais ça me paraît peu probable, quoi. Après, ce que je dis toujours, hein, c'est qu'à mon avis, il y a plein de personnes qui ont encore botté. On parlera peut-être un peu plus tard de la stylométrie aussi, tout ça. On voit qu'il y a plusieurs corbeaux quand même, que ce soit à l'écrit et vraisemblablement aussi au téléphone. Et qu'il y en ait un de tous ces corbeaux, quoi, qui devançait tout le monde et que les autres, du coup, osent pas trop dire qu'ils ont été impliqués dans ce corbeautage. Même si toi, tu m'expliquais qu'en plus, aujourd'hui, c'est prescrit, en fait, hein, les appels, les lettres, tout ça. Oui, tout ce qui est activité de corbeautage est largement prescrit, puisque ce ne sont que des délits, et l'instruction ne reste plus ouverte que pour l'assassinat, que pour le crime. Il n'y a que ça qui ne soit pas prescrit. Donc pour le reste, les corbeaux peuvent dormir sur leurs deux oreilles, même s'ils sont démasqués, sauf à montrer le lien direct et leur participation à l'assassinat. À l'heure actuelle, identifier un corbeau ne peut déboucher sur aucune action judiciaire. Voilà. Donc j'espère qu'on a répondu à cette question. J'en profite pour dire coucou à Dame à la Faux qui nous a rejoint. Donc salut à toi. Bonsoir à tous. Bonsoir Dame. Voilà, t'interviens quand tu veux. Je ne sais pas si tu as écouté la dernière question. Oui, complètement. Impeccable. Donc voilà, on avait cette histoire de deuxième équipe. Ensuite, quatrième question de Jean-Luc, c'était pourquoi s'encombrer d'un témoin ? Là, il fait référence à Muriel. Moi, personnellement, je pense qu'en fait, je dis souvent c'était un crime qui était prémédité, mais on va dire que c'est plutôt semi-prémédité, dans le sens où il avait envisagé ce qu'il pouvait faire, mais c'était pas ce jour-là bien précis, tout ça, avec... des chronométrages, ça je trouve ça un peu gros. À mon avis, si ça s'est fait avec Muriel, il y va plutôt au bonheur la chance, et il saisit l'occasion. Donc c'était pas quelque chose de prémédité, le fait de prendre Muriel, tout ça. Ça s'est fait un peu par le hasard des choses. Enfin, ça c'est ma théorie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'on est en présence d'un crime qui est mûri de longue date, probablement peut-être depuis 2 ou 3 ans. Donc dans ce sens, la préméditation est évidente. Il y a très longtemps qu'on veut faire du mal à cet enfant pour faire souffrir son père et ses parents. Probablement, il y a eu une élaboration de plusieurs plans différents qui ont dû changer en fonction de l'âge de l'enfant. C'était certainement pas la même chose qu'on préméditait quand il n'était pas encore scolarisé, puis quand après il l'est, en fonction de la saison, parce qu'on sait bien que l'hiver, il joue pas dehors. Et il y a probablement eu des tentatives. Il y a eu d'autres tentatives d'agression contre cet enfant, on le sait. Voilà. Alors, il y a un cadre comme ça qui avait été fait, et des repérages. Il connaissait ses emplois du temps, certainement qu'il avait compris déjà depuis un moment que le plus simple, le seul moment où Grégory pouvait être seul et disponible, c'était ça. C'était cette période où en rentrant de l'école, eh bien, il jouait dehors dans le jardin un quart d'heure, 20 minutes. Mais il y avait eu peut-être des tentatives à Bruyères quand il était chez sa grand-mère, qui le laissait jouer aussi en bas sur le trottoir avec sa petite camarade. Et il y avait eu en particulier une tentative d'écrasement par une voiture. Il y a une voiture qui avait foncé sur les deux enfants. Il y a eu quand même probablement d'autres tentatives. Alors, il se trouve que ce mardi-là, Marie-Ange travaillait, donc ne pouvait pas s'occuper de Sébastien.
Le petit Sébastien n'avait pas piscine l'après-midi. Enfin, c'était toute sa classe n'avait pas piscine. C'était les plus grands qui y allaient. Donc, on demandait aux parents des enfants de la maternelle de les garder chez eux. Et donc, Bernard Laroche était encombré de Sébastien, puisque Marie-Ange était à Gérardmer, à son usine. Et je pense que c'est pour ça, c'est d'ailleurs la version qui a toujours été donnée par la famille Boll. Dans un premier temps, ils ont tous été unanimes pour dire qu'il était convenu que Bernard irait chercher Muriel au collège parce qu'il voulait faire des courses et qu'il fallait qu'elle puisse surveiller Sébastien, parce que Sébastien, en raison de son état de santé, demandait une surveillance constante et que peut-être qu'il ne l'aurait pas emmené dans le magasin. À ce moment-là, il l'aurait peut-être laissé dans la voiture avec elle, enfin quelque chose de ce genre. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'il est chargé de Muriel. Ensuite, ça se passe autrement. Est-ce que c'est sur impulsion qu'il se dit « Ah ben, on va quand même faire un tour à l'épanche, voir si l'enfant est dehors, avant d'aller faire les courses, on fait quand même ce détour ?» Parce que visiblement, ça devait le démanger depuis tout un temps. Et voilà, par chance, l'enfant est là, soit dans le jardin, sur le tas de cailloux, soit il a traversé le carrefour, malgré l'interdiction de sa mère, et il est allé voir le veau, le petit veau de Monsieur Méline, qu'il aimait bien. Et il est probable que Bernard Laroche n'a eu qu'à le cueillir et que ça s'est fait très facilement. Donc, je ne crois pas qu'il a emmené Muriel avec la préméditation d'avoir un témoin pour l'aider pour l'enlèvement. Je pense qu'en effet, c'est à la fois un crime relativement organisé, mais d'opportunité aussi, parce que c'est ce jour-là que l'occasion a permis que ça se réalise. Il y avait eu des tentatives précédentes et il y en aurait probablement eu d'autres si ça n'avait pas marché ce jour-là. À mon avis, c'est un crime qui est réfléchi, très réfléchi, dans beaucoup de détails en tout cas, mais peut-être pas prémédité ce jour-là, tout ça. Après, il y a quelqu'un sur le chat qui écrivait aussi que Muriel peut servir d'appât. C'est un peu la thèse qu'on avait sur la piste Laroche. C'est vrai que ça peut aussi mettre en confiance l'enfant, tout ça. Non seulement ça met en confiance l'enfant, mais ça met aussi en confiance les voisins, qui peuvent les voir, parce qu'après tout, quand même, Bernard Laroche, il est connu dans le coin, puisqu'il y fait du bois. On sait que c'est un parent des Villemains, on l'a vu l'été venir chercher des outils, les rapporter. S'il est avec son petit garçon et avec sa belle-sœur, c'est encore plus innocent. Même s'il le fait remonter en voiture 5 minutes, personne ne s'en étonne. On pense qu'il y a l'autorisation de la mère, que peut-être il l'amène à son père au bureau, au bureau à l'usine, que peut-être... il lui fait faire un petit tour en voiture et que c'est convenu, qu'il y a peut-être l'autorité. Enfin, voilà, ça donne l'impression d'une promenade innocente. Parce qu'en effet, tout le monde se dit, on ne prend pas deux enfants, une jeune fille et un petit garçon, son propre petit garçon témoin, si on va enlever et tuer un enfant. Donc, c'est le meilleur moyen de ne pas être soupçonné que de se balader en famille. Et d'ailleurs, il y a Hakim qui dit, peut-être une séance de repérage qui s'est transformée en opportunité. Voilà, moi, c'est ce que je pense aussi. Tout à fait. Après, c'est vrai que Muriel, par exemple, si Christine sort à ce moment-là, ben, c'est plus rassurant. Il y a Sébastien, il y a Muriel. Il peut trouver une excuse. Voilà, on voulait faire un tour. Je voulais lui montrer ma voiture ou des choses comme ça. Voilà. Donc voilà pour cette question. Bonjour à Sébastien. Voilà, ça paraît tout de suite beaucoup plus innocent. Et c'est plus facile à rattraper s'il se fait prendre. Et si effectivement Christine sort inopinément, eh ben tu vois que voilà, je suis d'ailleurs avec Muriel, nanana, on a juste fait vroom vroom avec le moteur pour l'amuser, et puis c'est tout. Voilà. Voilà, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Alors Jean-Luc, il avait beaucoup de questions. Il y en avait une cinquième. Ça, je pense que ça, c'est pour toi, Electra. Grégory portait-il son anorak pour jouer sur son tas de gravier? Moi, je dis oui. Hein. Oui, absolument. Christine le précise dans son procès-verbal. Alors, il avait fait un peu des histoires chez la nourrice. Déjà, il ne voulait pas le porter et elle raconte que c'est Jaco qu'elle l'a obligé, elle ou une voisine, je ne sais plus, à remettre cet anorak puisqu'il venait d'être enrhumé et qu'il était un peu malade. Mais on lui avait laissé ouvert parce qu'il préférait jouer au ballon avec ça devait le gêner, l'anorak fermé, donc il préférait jouer avec l'anorak ouvert et il n'avait pas son bonnet. Et en rentrant à la maison, bon, il insiste pour rester dehors. Comme il a été beaucoup privé les 15 jours précédents, il est très peu resté. La veille, il est resté que 5 minutes dehors. Enfin bon. Donc, elle accepte, mais elle lui ferme cet anorak. Elle le dit, qu'elle remonte la fermeture éclair.
Et elle lui dit, d'accord, mais tu mettras ton bonnet. Et elle va chercher le bonnet qui était resté sur la table de la cuisine. Donc, elle l'a quand même couvert parce que la nuit tombe à 17h40. Et donc, déjà vers 17h05, 17h10, 17h15, il commence à faire peut-être un peu moins chaud. Enfin, le soleil est déjà bas et l'enfant sort de maladie. Donc, elle le couvre. Donc, oui, il avait sur la norme. Voilà, donc Jean-Luc, merci pour tes questions et j'espère qu'on aura répondu un maximum, quoi. Donc là, je vais essayer d'aller sur la question numéro 4. Bonjour Radio YouTube et bravo pour votre travail que je suis attentivement. C'est vraiment un travail exceptionnel et vraiment, on prend un grand plaisir à l'écouter à chaque fois, à chaque vidéo. Alors, j'ai une petite question. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'hypothèse selon laquelle les Jacob seraient en lien avec Bernard Laroche et dans laquelle ça serait les Jacob qui auraient tué le petit Grégory, notamment là, avec les dernières études stylométriques. Est-ce que vous pensez que c'est fiable ou non? Voilà, je vous remercie pour votre réponse et encore bravo pour votre travail. À bientôt. Alors voilà, c'est une question très intéressante, mais difficile. C'est une question difficile. Vas-y, Daniel. Non, je dis c'est très compliqué parce qu'on n'a pas accès à ce rapport, tout ça. En tout cas, on peut dire que la stylométrie, ça m'a l'air d'être une technique qui est pas si inintéressante que ça. Et pour le coup, moi, je fais pas trop confiance aux expertises en écriture, tout ça. On a vu jusqu'à présent les erreurs qui ont été faites dans cette affaire. Mais je me suis un peu intéressé du coup à la stylométrie. J'ai retrouvé le brevet de l'entreprise, en fait, qui s'appelle Orf Analytics. Et j'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Ça m'a l'air quand même assez scientifique. En plus, ils ont reproduit des études qui avaient déjà été faites avec d'autres méthodes et ils ont des résultats qui sont concluants, similaires. Donc ça a quand même l'air d'être une technologie assez intéressante. Sur les Jacob, je trouve que c'est probable. Après, c'est vrai que là, on a entendu dans les médias parler de la nounou Christine Jacot. J'avoue que là-dessus, je suis assez prudent, quoi. J'arrive pas encore à imaginer de quelle mesure elle aurait pu être impliquée. C'est peut-être une fuite de la presse qui est erronée ou il y a une confusion. On sait pas vraiment, en fait. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je dirais comme toi sur la méthode utilisée, la méthodologie, le logiciel utilisé par cette société Orf Analytics. D'ailleurs, il existe une vidéo interview de son directeur, de son fondateur directeur, qui explique très bien, au départ, c'est un logiciel d'analyse génomique des chromosomes. Enfin, on sait que je suppose que tout le monde sait à peu près que l'ADN est essentiellement codé sous forme de... Les protéines sont codées sous forme de 4 lettres, A, C, T, G, et que les séquences, c'est une combinaison infinie et diverse, selon les séquences qu'on étudie, de ces quatre lettres. Et c'est probablement ça qui lui a donné l'idée d'appliquer cette recherche de combinaison des différentes lettres à l'analyse d'écrit. Et non pas tellement, d'ailleurs, dans leur cas, c'est pas tellement pour détecter les faux, les plagiats, etc., littéraires, comme c'était utilisé autrefois. Dans son cas, c'est vraiment clairement orienté vers la criminologie. Cette méthode, apparemment, a fait ses preuves aux États-Unis, puisqu'il y a eu plusieurs identifications de criminels, ou en tout cas d'auteurs de lettres de menaces, menaçant d'attentats, etc. Et il y a même eu d'ailleurs, je crois Daniel, c'est toi qui avais retrouvé ça. Enfin, Oui, c'était QAnon en fait. Enfin, voilà, c'est ça, au moment de l'élection de Trump, là, l'invasion du Capitole, apparemment, on a pu identifier, et sur un message assez court, je crois,
cinquantaine de signes, pas plus, et on a pu identifier à coup sûr qui était le scripteur de Alors, menaces. pour être clair, en fait, donc dans le brevet, ils expliquent, malheureusement, je n'ai pas le chiffre en tête, hein, mais je crois que c'est 500 mots, 500 symboles. Il faut 500 symboles pour pouvoir identifier un auteur, hein. Ils appellent ça des symboles parce que les espaces comptent, les virgules, et donc ensuite, eux, ils Voilà. vont faire des analyses, en fait, si tu veux, hein. On a des automatismes quelque part quand on écrit. À quel moment on va mettre une virgule, quand est-ce qu'on va mettre un espace, un point. Mais ça va be c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Il y a des, c'est très très mathématique en fait. Il y a des formules, voilà, qui ont fait leur preuve dans d'autres domaines, qui sont utilisées dans ce logiciel. Et pour QAnon, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils sont amusés à essayer de voir d'où provenaient ces messages, et ils ont quand même pu rétrécir ça à deux personnes. Donc c'est intéressant parce qu'on s'est toujours posé la question, tiens, QAnon, en fait, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est des jeunes qui s'amusent à manipuler les foules, en fait, hein, sur Twitter, tout ça? Et grâce à Orphan Analytics, on a pu découvrir, voilà, qu'il s'agissait de deux auteurs. Et pour l'instant, ils n'ont pas été contredits, quoi. Donc c'est quand même un truc prometteur et intéressant, scientifique. C'est pour ça que je vais essayer, soit je vous le mettrai en description. Soit je vais essayer de le mettre dans le chat. Je vais vous mettre une vidéo de Roten, qui est donc celui qui a inventé cette technologie, le patron d'Orphan Analytics, et vous mettrez aussi le brevet. Parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant. C'est vrai que quand ils parlent de cette technologie, de la stylométrie, ils sont très évasifs. Et finalement, si on veut vraiment comprendre comment ça fonctionne, le meilleur truc à faire, c'est de regarder le brevet, parce que là, il n'y a pas de marketing, ou c'est vraiment scientifique, ils expliquent leur méthode. Moi, je pense que c'est une technique d'avenir qui a certainement beaucoup plus de validité que l'expertise en écriture qui a toujours été. Alors qu'il ne faut pas confondre avec la graphologie, parce que très souvent, bon, y compris dans des émissions et des plateaux de télévision, on invite des graphologues, on parle de graphologie. La graphologie, c'est encore autre chose. C'est une autre branche d'expertise. La graphologie, c'est sa définition, enfin, son utilité, c'était souvent utilisé d'ailleurs par les chasseurs de tête, enfin, lors des recrutements, par les services de DRH des entreprises, c'est pour essayer de définir le caractère ou le profil d'une personne à partir de son écriture. Bon, donc ça, il n'en est pas question, ça n'a jamais été utilisé dans le dossier de cette affaire, il n'y a jamais eu de graphologue qui soit intervenu. Ce qu'on a essayé d'utiliser, c'est l'expertise en écriture. Alors, l'expertise en écriture, elle est utilisée judiciairement, surtout au civil et surtout en correctionnel. C'est pour authentifier les signatures sur des actes, sur des chèques, sur des virements bancaires. Enfin bon, on essaye d'être certain que c'est pas une signature imitée, que c'est bien la personne, une signature originale. Bon. Donc, c'est assez fiable dans ce domaine-là, tant que l'écriture n'est pas déguisée. Et là, le problème, c'est que les écrits du corbeau, on sait que c'est une écriture déguisée, qui n'est d'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est pas la main usuelle qui est utilisée, c'est probablement l'autre main, c'est-à-dire une main gauche s'il s'agit d'un droitier ou une main droite s'il s'agit d'un gaucher. Et là, ben, on voit bien que le nombre d'experts qui sont intervenus ont chaque fois désigné des personnes différentes, pour ainsi dire, expertise contre expertise, on en a plein le dossier. Et d'ailleurs, les avocats n'en demandent même plus. Ça sert à rien parce que on en demanderait maintenant une 12e, une 13e, une 14e. Ça contredira les précédentes. Ce qui est un peu frappant aussi, c'est que comme par hasard, c'est toujours le suspect qui est sur la sellette qui est désigné. Le tout premier expert, Argout, il désigne immédiatement Jacquel. Bon, mais il faut dire aussi qu'on lui a donné que des écrits de Jacquel, pas d'écrits de comparaison. Alors forcément, il le désigne. Et tout est un peu comme ça. Et la toute dernière experte, Madame Navarro, avait déjà désigné Jacqueline Jacob, mais c'est vrai que c'est justement elle qui était sur la sellette. Donc je ne sais pas si cette analyse-là, si cette expertise-là, enfin, moi je suis beaucoup plus sceptique sur ces techniques. Par contre, je pense que cette nouvelle technologie est en effet très prometteuse. Alors il faut avoir quelques pièces de comparaison, elles n'ont pas besoin d'être très nombreuses. Il y avait eu une série d'articles qui avaient été publiés par la presse en décembre dernier,
Et on nous avait dit que il y avait trois écrits spontanés de Jacqueline Jacob qui avaient été donnés comme pièces de comparaison. Il y avait sa lettre de rupture avec à son maman, une carte postale adressée à sa fille. Et donc ça, c'est un écrit relativement bref, mais enfin, c'est peut-être suffisant. Et puis une autre lettre, alors ça c'est un peu mystérieux, on ne comprend pas très bien, une lettre qui commence par Mon cher fils. Or, apparemment, enfin, pour ce qu'on en sait, en tout cas, Jacqueline Jacob n'a pas de fils. Alors bon, enfin, on suppose quand même que si ça a été saisi, c'est qu'on pense que c'est de son écriture et que c'est une lettre d'elle. Et à l'époque, on parlait d'écrits de comparaison d'autres protagonistes, et en particulier, c'était Ginette Vilmain qui était citée. Comme ayant dont des écrits d'elle auraient été fournis à la société comme pièce de comparaison. Là, on a eu une communication du procureur de la République qui a expliqué que le rapport était enfin parvenu, qu'il faisait 178 pages, ce qui est quand même très copieux et qui mérite certainement d'être étudié de très près, et ça doit être très complexe, je suppose. Et puis c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas donné les résultats. Il a dit que c'était versé au dossier. C'est tout. La presse s'est tout de suite emparée de la nouvelle et on voit bien que les différents écrits des différents journaux se recoupent quand même énormément les uns les autres. Soit à partir d'une dépêche de l'AFP, soit ils se sont simplement recopiés, peut-être sans vérification, je ne sais pas. Et là, on voit apparaître le nom de Christine Jacot, la nourrice, qui n'a jamais été citée auparavant comme suspecte dans le dossier. Elle ne l'a jamais été que comme témoin. Brusquement, Ginette disparaît, alors que c'est d'elle qu'on parlait en décembre. Et cette citation de Christine Jacot est répétée par tous les journaux. Alors, bon, moi, je suis toujours très méfiante avec la presse. Dieu sait que dans cette affaire, elle a suffisamment, au début, dérapé dans tous les sens, et il lui arrive encore maintenant, sur d'autres affaires, voilà. Je ne suis pas sûr que les journalistes qui veulent sortir au plus vite une information prennent le temps de suffisamment la vérifier. Et voilà, moi je suis très Et sceptique. depuis, depuis le 23 avril, en fait, c'est silence radio. Donc, cette info est sortie par un média. Elle a été reprise un peu partout. Il y a eu une sortie aussi de l'avocat des Jacob Jurana, qui devait faire une conférence de presse, je crois. Mais ça a été Tout annulé. à fait. Il a Et été annulé la dernière minute. lui aussi, en fait, il s'est vachement mis en avant, je trouve. Il a dit c'est de la foutaise, la silométrie, etc. Et en fait, on sait qu'à ce moment-là, il n'avait même pas encore eu accès. Donc À à la ces pièce. 100, je sais plus combien de pages, ces 170 pages ou 178, oui. 178 pages, donc il n'avait pas encore eu accès à ça, et il disait déjà que c'était de la foutaise et que c'était pas une méthode scientifique. C'est quand même rigolo parce que pour en être sûr, il faudrait d'abord qu'il puisse le lire, quoi. Et donc je pense que là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'ils ont accès au dossier. Moi, je crois aussi que c'est ça. Et puis, alors, d'ailleurs, de la même façon, les avocats des parents, les avocats de la partie civile, sont également très, très prudents. On n'a entendu ni Maître Moser, ni Madame Chastan-Morand, et on a juste entendu Maître Saint-Pierre, qui lui-même dit, oui, c'est une nouvelle technologie, c'est très intéressant, mais le document, enfin, le rapport est très complexe, et voilà, il est resté lui aussi extrêmement prudent et modéré. Donc voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus, on ne peut pas vraiment spéculer. Alors il y a une information intéressante quand même qui a été donnée, parce qu'on ne nous parle donc que de quatre fournisseurs de pièces de comparaison, et puis on nous dit que malgré tout, ce rapport aurait permis d'identifier cinq corbeaux. Jacqueline Jacob n'étant identifiée que pour sept lettres, dont... Cette lettre sur 24, je crois, qui ont été soumises. Alors, lettres ou écrits, parce qu'on ne connaît pas 24 lettres du corbeau, on en connaît 5 officiellement, et la cinquième est probablement un copycat, puisqu'il y a des traces de calque dessus, etc. Donc, en gros, on a 4 lettres dont on est sûr du corbeau. Par contre, il a été dit aussi que les transcriptions des appels téléphoniques avaient été fournies.
Alors, c'est peut-être ça qui compte dans les 24 lettres. On a peut-être compté la lettre de Corinne aussi, on a peut-être compté d'autres choses. Je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, ces 24 lettres. Mais, donc, on en attribuerait 7 à Jacqueline Jacob, dont la lettre de revendication. Donc, c'est là qu'est le point très important. Parce que cette lettre de revendication, c'est la plus directement liée au crime, bien sûr, bien qu'elle ne le soit pas totalement. Hein. On ne peut pas exclure qu'il y ait eu que la personne qui a écrit cette lettre ne soit pas l'assassin pour autant. On ne peut pas avoir la certitude. Mais enfin, c'est la plus proche, on va dire, du criminel. Ça, si je peux rebondir vite fait, parce que j'ai vu sur le chat, c'est Yannick qui disait en fait, l'analyse stylométrique valide la thèse de l'équipe. Daniel nous dit que c'est fiable, mais pourtant, il pense au loup solitaire. En fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que pour moi, les gens qui ont écrit ces lettres, qui ont passé certains appels, ne sont pas obligatoirement les mêmes, voilà. ou le même, ce fameux loup solitaire qui, lui, a devancé tout le monde et qui est passé à l'acte, quoi. Voilà. Donc, pour moi, ça ne se contredit pas. Non, non, c'est... On n'a pas de certitude et c'est pas... Si c'était d'ailleurs totalement établi, je pense qu'on aurait déjà des arrestations. Et si on ne les a pas, c'est justement que ce n'est pas totalement établi, puisqu'on ne peut plus arrêter les gens, comme je disais tout à l'heure, c'est prescrit le corbeautage. Donc même si la justice là a acquis la certitude que c'est Jacqueline Jacob qui a écrit cette lettre, si on ne peut pas prouver qu'elle a participé matériellement et à l'enlèvement et à la mort de l'enfant, voilà, ça en restera là, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc cette lettre, dans cette lettre-là, et on nous dit par ailleurs, on a identifié 5 corbeaux. Or, la presse ne nous parle que de 4 personnes dont les écrits ont été soumis. Alors, moi aussi, ça m'a beaucoup interpellé, cette contradiction, puis j'ai fini par réfléchir, et à force de réfléchir, je me suis dit qu'ils ne mettent pas de nom pour ces 5 corbeaux, corbeaux. Je pense que ça signifie simplement que grâce à ce logiciel, ça leur a permis de regrouper les écrits par catégorie, et qu'ils ont réussi à identifier que ça faisait 5 catégories différentes de nature d'écrit, d'écrit se ressemblant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont mis un nom dessus. Ça veut dire que pour eux, il y a 5 scripteurs différents. On a pu répartir ces écrits entre 5 personnes. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Et ce n'est pas forcément les personnes, d'ailleurs, dont les écrits ont été comparés. Je crois qu'on reste très 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 bon. Il y a peut-être des inconnus, voilà. Voilà, c'est ça que je crois. Enfin, par la réflexion uniquement, hein, mais par le raisonnement, je pense que c'est ça que ça signifie. Tu es d'accord avec ça, Dame? Oui, moi, ce que je voulais souligner, en tout cas pour moi, c'est qu'il s'agit d'une méthode qui, tout de même, va prendre en compte une très grande partie de tout ce qui compose notre expression, les mots, les blancs, les espaces. On est sur quelque chose d'assez complet. Complet qui est analysé par un logiciel. Donc, c'est objectif et ce n'est pas simplement l'avis, l'opinion d'une personne, d'un expert, de quelqu'un qui pourrait être orienté par quelque chose qu'on lui aurait demandé ou simplement parce qu'il sait déjà. En fait, là, on est sur l'application basique d'un logiciel qui va compiler et rapprocher de très nombreux facteurs très objectifs. Et bah, ça va donner effectivement des groupes de... Ça va dire qu'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui ont pu participer parce qu'on reconnaît 1, 2, 3 ou 4 styles de globaux d'expression de personnes. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement utile. D'ailleurs, je crois que ça a déjà servi, même en matière criminelle. Et on est arrivé à des résultats. On arrive à des résultats flagrants dans différentes matières, pas seulement donc celles que l'on utilise aujourd'hui, mais rarement personne n'a dit que ce logiciel ou que ces programmes s'étaient trompés. À ce jour, je pense qu'on a des résultats qui sont intéressants. Donc oui, moi j'y crois beaucoup. Ce d'autant que, pour répondre à la question, il nous paraît quand même que, à l'opposé des autres, la lettre de revendication est moins déguisée, enfin paraît moins déguisée
que les autres, dont on voit qu'elles comportent des fautes intentionnelles, des phrases longues, alambiquées. Voilà. Là, on est sur quelque chose de véritablement une idée construite de quelqu'un qui vient soit de voir quelque chose, soit lui-même d'avoir accompli quelque chose de déterminé. Il est content, il l'a fait et il l'écrit. Voilà. Et donc, je crois que peut-être, grâce à cette méthode, nous aurons des résultats intéressants dans cette affaire. Je suis d'accord avec toi, parce que je me suis intéressé aussi un peu à la graphologie, et pour le coup, j'ai lu le brevet d'Orphanalytics, j'ai pas tout compris, hein, parce que j'ai pas les capacités, tout ça, mais j'ai compris une grande partie. Après, quand tu regardes la graphologie, ça ressemble un peu à de l'astrologie, c'est-à-dire, voilà, si quelqu'un met un trait en diagonale à droite, ça veut dire qu'il a une personnalité narcissique. Alors, j'ai trouvé ça marrant sur Morandini, il y avait une graphologue d'ailleurs qui parlait, j'ai trouvé ça très particulier, parce que pour le coup, la graphologie, ça paraît pas vraiment scientifique, et pourtant c'est elle qui dénigrait comme ça la stylométrie. Donc, Ah oui, c'était très malvenu, enfin, pour moi en tout cas, j'ai vraiment pas apprécié l'intervention de cette dame qui n'était que là pour, in fine, dire du bien de sa discipline, et peut-être d'elle-même d'ailleurs. Tout à fait. Moi aussi, ça m'a fait la même impression. Et je me suis dit, on mélange tout, là. On mélange effectivement des choses qui relèvent vraiment... C'est moitié psychologisant, mais enfin, sur des bases vraiment pas du tout scientifiques. C'est ça, on écrit penché à gauche ou on écrit penché à droite. Ça veut dire qu'on est volontaire, ça veut dire qu'on a le caractère mou, ça veut dire que, bon... Enfin bon, tout le monde sait très bien que c'est extrêmement sujet à caution, et mélanger ça avec quelque chose d'aussi pointu scientifiquement que ce logiciel, c'est pas raisonnable, quoi. C'est pas raisonnable. C'est pas des choses à comparer. Exactement. Ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, hein. Là, vraiment, c'est tout frais. Voilà, on a entendu parler de la stylométrie, il y a ces nouvelles avec Jaco, tout ça. Mais pour l'instant, c'est silence zéro, hein. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler quand on aura plus d'infos aussi, effectivement. Mais en tout cas, c'est très prometteur. Donc, je propose de passer à la question numéro 6. Oui, bonjour, c'est Jérémy Laroche à l'appareil. J'avais deux petites questions, enfin une question, et j'aimerais soumettre une hypothèse. J'aimerais savoir, est-ce qu'on sait de manière certaine ou officielle, comment les corbeaux arrivaient à dissimuler leur voix? Est-ce que c'était avec un appareil? Est-ce que c'était... voilà. Et surtout à l'époque, ça me semble difficile quand même d'avoir des appareils pour dissimuler les voix, quoi. Déjà même à notre époque, à l'heure actuelle, quelqu'un qui habite dans les Vosges, etc., il aurait du mal à... Voilà, il faut quand même faire des recherches. Alors à l'époque, le téléphone venait d'arriver. Voilà quoi. Ça me semble un peu... Je ne sais pas. Pour trouver un moyen de dissimuler la voix. Et deuxièmement, je voulais poser une hypothèse concernant l'enlèvement. Est-ce que ce ne serait pas plus logique de dire que la Roche est partie avec Muriel pour faire un coup? Voilà, il n'est pas parti au hasard, hein. Et il a vu l'enfant, mais il est parti pour faire quelque chose, il avait une idée en tête avec Muriel. Soit elle aurait servi pour faire diversion ou quelque chose comme ça. Et au final, ben, il a vu que ben, c'était plus facile que prévu, que l'enfant était là, quoi. Est-ce que ça fait peut-être pas plus logique de dire ça, et qu'après tout le reste, eh ben, ça faisait partie de son plan. C'est-à-dire qu'il avait tout préparé à l'avance, la lettre, etc. Mais il savait que ce jour-là, il allait l'enlever. Voilà. Voilà, merci pour votre patience. Merci Jérémy pour ta question. Donc, il y avait deux questions. La première, c'était voilà, sur la technique utilisée par le corbeau pour déguiser sa voix. Est-ce qu'il aurait peut-être utilisé un appareil Moi, j'ai souvent réfléchi à ça. Hein. Même à un moment, je me suis demandé s'il n'avait pas modifié son téléphone, en fait. Hein, si on met de la colle ou de l'eau sur la membrane, ça peut modifier aussi le rendu. On a quand même l'impression qu'il téléphone depuis plusieurs endroits.
Je le vois mal amener son combiné, tu sais. Visiblement, enfin, moi j'ai l'impression qu'il a juste être utilisé, je sais pas moi, un tissu. Je crois que toi, Electra, tu étais sur une piste d'imitation ou enfin, de technique. Oui. Oui, je crois qu'il ne faut pas compliquer trop les choses. Alors, ces appareils, ils existaient, c'est vrai. On avait fait des recherches à l'époque sur le forum de Claude Tinès et il existait déjà en 84 des appareils permettant de modifier la voix. C'était quand même un peu coûteux, pas si facile que ça à se procurer. Et surtout, s'il y avait un corbeau unique, on pourrait se dire, voilà, c'est toujours le même, il s'est acheté ce petit appareil et il s'en sert. Et dans la mesure où on sait qu'il y a une multiplicité de corbeaux et que même ce logiciel dont on vient de parler nous confirme qu'il y en aurait au moins 5, voilà, tout le monde a plus ou moins corbeauté et avec la même voix. Donc c'est forcément avec quelque chose de très simple. Alors il y avait la théorie aussi du masque à poussière qui a circulé très longtemps. On pensait que peut-être certains masques utilisés dans des professions, dans l'industrie, pouvait modifier la voix. Bon, maintenant que tout le monde porte des masques à cause du Covid et quelquefois des masques costauds, et certains masques en tissu très épais, et ben on se rend compte que ça modifie pas la voix des gens au point qu'on puisse pas la reconnaître. On est habitué maintenant, hein. Ça fait des mois et des mois qu'on se parle tous avec des masques et on arrive à se comprendre et on reconnaît les voix des uns et des autres. Donc je crois pas que ce soit un procédé artificiel. Je pense que c'est plus simple que ça. D'ailleurs, Christine et Jean-Marie eux-mêmes, hein, dans le but de débusquer le corbeau et sur les conseils du gendarme Ferru, qui était chargé de l'enquête suite à la plainte d'Albert Villemain, ils ont eux-mêmes passé des appels. Et d'ailleurs, Christine dit que Jean-Marie ne faisait pas la voix, n'arrivait pas à tenir la voix rauque bien longtemps et qu'elle le faisait mieux que lui. Moi, j'ai l'impression que c'est une simple technique d'imitateur de voix. Hein, on en entend très souvent dans les émissions de variété, à la télévision, etc. Il y a des imitateurs qui sont vraiment remarquables. C'est presque à s'y tromper hein, dans certains cas. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui était un assez bon imitateur, qui leur a montré le truc dans une réunion familiale au départ pour s'amuser. Et d'ailleurs, une partie de ce corbeautage du tout début était probablement une espèce de jeu. Il n'était pas très malveillant au début. Jean-Marie lui-même dit, on n'est pas sûr que le corbeau de 83 et de 84, celui qui proférait des menaces, soit le même que celui de 81 qui se contentait de passer des chansons, de dire chef, un petit verre, on a soif, ou qui embêtait les uns les autres, voilà, en prenant une voix de femme roucoulante, ou enfin bon, des choses de ce genre. Ça fait plutôt penser à des blagues au départ. Et puis petit à petit, ça monte en puissance et ça devient ce que c'est devenu, hélas. Moi, j'ai l'impression que c'est. On dit que le corbeau est essoufflé, il a une voix rauque et il serait essoufflé. C'est pour ça que ça a beaucoup orienté vers Jacquel, qui avait une maladie des poumons à la suite de la guerre. Mais il paraît qu'il y a des techniques, là aussi, quand on bloque sa respiration d'une certaine façon. C'est des techniques utilisées dans le chant aussi, hein, dans le chant classique, dans le chant d'opéra. On sait bien qu'il y a la voix de tête, la voix de ventre, la voix, etc. Enfin, je ne suis pas très calé sur le sujet, mais donc en bloquant sa respiration, on peut arriver à avoir une voix soit plus rauque, soit une voix de tête. Bon, je pense que c'est une petite technique comme ça, une petite astuce qui a dû se répandre dans la famille, et du coup, tout le monde s'est mis à l'utiliser. Mais je pense que c'est quelque chose de probablement très simple. Je suis Sinon, il n'y d'accord aurait avec pas eu toi. tant de corbeaux. Et puis en plus, on a quand même cette jeune fille qui téléphone aussi. Et elle masque pas du tout sa voix. D'ailleurs, Monique va croire que c'est Isabelle. C'est vrai que ça se passe en 82, au moment où chez les Jacob, les notes de téléphone sont élevées. Il y a peut-être un lien, ça, voilà, c'est aux enquêteurs de le définir. Et donc s'il y avait un appareil ou quoi que ce soit, la fille l'aurait utilisé aussi. Puisqu'il y a des appels où ils parlent. Tous les deux, en fait, et elle ne masque pas sa voix et lui a réussi à le faire. Donc, c'est vrai que ça ressemble plutôt à une technique, une imitation sans matériel, quoi. Oui, ce d'autant que je crois que Monique, elle va reconnaître les rires. Donc, si elle arrive à reconnaître les rires de l'une ou de l'autre, c'est que nécessairement,
L'appareil ne doit pas être obstrué par quelque chose, parce que sinon, entendre un rire derrière, on aurait du mal à savoir ou à déterminer qui c'est, à le rapprocher de quelqu'un d'autre. Et en plus, le corbeau blagueur, celui qui appelait les entreprises, hein, les pompes funèbres, les infirmiers, les médecins, qui prévenaient des accidents, etc., ne déguisait pas sa voix. C'était une voix de jeune femme qu'on a cru reconnaître certaines fois, mais par exemple, dans le cas de quand on a commandé le cercueil là, d'Albert, on a fait appeler à la poirie a appelé une ou deux femmes de la famille, et il n'a reconnu aucune de. Il a dit non, non, c'était pas cette voix-là, et c'était pourtant une voix non déguisée. On a pensé que ça pouvait être Jacqueline, la sœur de Jean-Marie, mais bon, ça s'est avéré complètement impossible. En plus, ils n'avaient pas le téléphone. Enfin bon. Disons que les suspects les plus évidents ont été assez rapidement écartés. Quand il y a eu des vérifications, Monique aussi se précipitait chez Michel téléphoner pour faire le numéro de la personne qu'elle suspectait à ce moment-là, et ça ne sonnait pas occupé, la personne décrochait, donc ce n'était pas elle qui était en ligne à ce moment-là avec Albert. Voilà. Ils ont fait ce genre de vérification, ils ont beaucoup essayé de trouver par eux-mêmes aussi, hein. Et on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de façon certaine. Il y a peut-être une autre piste, hein, c'est-à-dire c'est peut-être quelqu'un d'extérieur qui appelait pour eux ou quelqu'un que personne ne connaissait. Il y a plein de possibilités. C'est vrai que sur certains appels, j'entends une voix de femme quand même, avec la voix rauque, hein. Ah oui. Et c'est vrai que si une femme réussit à imiter une voix d'homme comme ça, en plus rauque, âgée, c'est vrai que ça permet de passer sous les radars un peu. Et ça expliquerait aussi ces sorties comme vous ne saurez jamais qui je suis. Parce qu'effectivement, là, tout le monde pense que c'est un homme, quoi. Donc, Voilà. Et d'ailleurs, une des meilleures, à mon avis, une des meilleures expertises audio qui a été faite et qui malheureusement, là encore, pour des questions de forme et de procédure, a été sortie du dossier, donc ne pourra plus être utilisée judiciairement. Mais je pense que ça a été la plus sérieuse parce qu'elle s'est basée sur les fréquences vocales qui permettent justement de déterminer les voix d'hommes n'ont pas la même fréquence vocale que les voix de femmes. Il y a une plage, hein, c'est pas précis, précis. Mais enfin, ça se situe entre dans des fourchettes très différentes. Et cette expertise-là avait déterminé qu'il y avait deux hommes d'âge différent. Un homme assez jeune et un autre homme probablement dans la quarantaine, et une voix de femme. Donc, voilà, à l'écoute des cassettes, ça serait trois. Ces experts-là ont écouté les cassettes 200-250 fois à une époque où elles étaient beaucoup moins usées que maintenant et où elles étaient probablement plus audibles. Personnellement, c'est l'expertise que je trouve la plus fiable. Et on n'a pas pu mettre de nom, malheureusement, puisque les cassettes de comparaison, c'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait faire des dictées aux suspects, en même temps, on enregistrait leur voix. Et par contre, ces cassettes-là ont toutes été égarées. Donc, on peut entendre maintenant les voix des protagonistes, mais telles qu'elles étaient à l'époque, c'est des enregistrements audio de l'INA en général, enfin des archives, des journaux télévisés, de choses comme ça. Et sinon, ben, les voix actuelles ne ressemblent pas forcément. La voix évolue avec l'âge, on le sait. Et à 36 ans d'écart, même les survivants, ils n'ont certainement pas la voix qu'ils avaient à cette époque-là. Je pense à Jacqueline, par exemple. Elle a certainement pas maintenant, quand on l'entend dans les interviews, elle avait sûrement pas cette voix-là à 38 ans ou à 39 ans. C'est très Exactement. probable. Et puis en plus, Donc c'est les très. enregistrements, ils sont faits avec un dictaphone, en fait. Donc ils mettent le combiné. Là, sur les téléphones, il y avait toujours un combiné avec un micro et un deuxième pour écouter. Et donc ils prennent le deuxième, là, le tout petit truc rond, et ils le C'est collent ça. contre le dictaphone ou le magnétophone. Donc là aussi, il doit y avoir beaucoup de pertes, hein, de fréquences, tout ça, de distorsions. Donc c'est vrai que c'est pas simple, hein. Beaucoup de biais. Moi, je ne crois pas que malheureusement, par les enjeux. Parce qu'il y a des gens qui réclament à nouveau enfin, de nouvelles expertises audio. Je crois que. Il y avait eu des propositions et des demandes dans ce sens, et on a fini par renoncer parce que technologiquement, c'est pas possible avec des cassettes en si mauvais état, des voix qui ont tellement changé, plus de pièces de comparaison, c'est très difficile. Là où il y aurait peut-être une piste à explorer, c'est sur les bruits de fond, et ça n'a certainement pas été suffisamment exploré. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Mais voilà, je crois que c'est à peu près ce qu'on peut dire sur. En tout cas, Voilà. il y a certainement au moins trois corbeaux. Enfin, moi, je pense qu'il y en a au moins trois corbeaux sur les enregistrements, je dis bien, plus tous ceux qui n'ont pas été enregistrés. Et au minimum, il y a deux complices en fait. Parce que c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de copycats, de gens qui voulaient savoir est-ce que c'est peut-être lui, donc on va l'appeler, on va voir comment il réagit, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux corbeaux complices qui appellent en même temps. Voilà, cette jeune femme avec une voix féminine et cette voix rock. Voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question. Et ensuite, Jérémy, il avait demandé par rapport au caractère à la fois prémédité et d'occasion de l'enlèvement avec Muriel. Mais je pense qu'on a répondu tout à l'heure déjà Oui, on à avait cette déjà question. bien répondu à ça. Oui, on est assez d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, c'était la question numéro 5, ça, je crois, Daniel. Attends. Numéro 6, ouais. Ah non, numéro 5, ouais, je me suis Numéro trompé. 5, c'est ça, voilà. Voilà. Je crois que tu es allé un peu plus vite que la musique. Non, parce que là, on en a 16 et j'ai dit, on va jusqu'au bout. Au moins qu'on arrive à la question de Titine quand même. Donc C'est indispensable d'avoir voilà, ça Titine. c'est le minimum syndical, il faut qu'on arrive à la question de Titine. Donc je propose qu'on aille à la question numéro 6 du coup. Oui, dans l'affaire Grégory, n'y a-t-il pas un mobile qui soit d'ordre religieux? Merci de me répondre. Patrick Oudinot. Voilà, donc là j'ai coupé avant parce que Patrick il nous a donné les coordonnées, tout ça, mais voilà, je pense que voilà, c'est mieux de couper avant. Donc la question, voilà, est-ce que c'est un crime d'ordre religieux, une secte? C'est une question intéressante. Je crois que Franck il voulait dire quelque Franck, Dame voulait dire quelque chose là-dessus. Oui, alors on en avait parlé, on y a réfléchi. Un motif religieux, intrinsèquement, je ne pense pas. Mais ça appelle un concept que connaissent beaucoup les personnes qui étudient les criminels. C'est la toute-puissance. Le meurtrier est dans la toute-puissance puisque, par définition, il donne la mort. C'est quelque chose de sacré, quelque chose qui est définitif. Et lorsque ces personnes le font, et elles ressentent la puissance. Certains vont se prendre pour Dieu ou la main de Dieu. Et on le voit lorsque l'on lit les écrits des gens qui ont analysé de nombreux, enfin, qui ont rencontré et discuté avec de nombreux tueurs en série, évidemment les gens sérieux qui ont fait ça, pas la personne qui a été récemment démasquée. Elles se prennent pour Dieu ou la main de Dieu, et parce qu'elles entendent débarrasser la terre d'une personne qu'elles détestent ou qu'elles estiment néfaste, et elles le font soit simplement pour se venger, soit pour rendre service à la société en éliminant des gens voilà, qui leur paraissent inutiles, dangereux, ou encore en tout cas qui ne leur conviennent pas. Voilà, donc je pense que en toute matière criminelle, il existe une notion de toute puissance et donc par extension une notion de métaphysique, même si bien évidemment les criminels ne sont pas de grands philosophes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'on est hyper sérieux sur Radio YouTube, donc du coup, je peux me permettre une fois d'aller un peu dans voilà, dans le peut-être l'ésotérisme, des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'avais toujours trouvé les sorties bizarres de Lambert, par exemple, qui parlait de justice de Dieu, justice des hommes, des choses comme ça. Il y a toujours une petite référence un peu au diable, à Satan. Et on reçoit pas mal de questions qui sont quand même un peu lourdes, on ne peut pas les diffuser comme ça. Mais beaucoup de gens nous demandent, voilà, les Jacob, par exemple, est-ce qu'ils étaient religieux, est-ce qu'ils étaient juifs ou chrétiens, enfin des choses comme ça. Bon, apparemment, ils étaient
plutôt chrétien, on va dire, voilà. Et c'est vrai que même avec Grégory, la façon dont on le retrouve sur une petite rivière, avec une corde autour de son corps, tout ça, ça peut ressembler à des archétypes qu'on retrouve par exemple en Égypte ancienne. Et c'est vrai que quand on fait le parallèle, c'est pour ça que je vais vous montrer une petite image. Donc on a ce récit, hein, d'Osiris, Isis, Horus et Seth. Et donc étymologiquement, Seth, c'est l'étymologie de Satan aussi, par exemple. Alors ce qui est intéressant, c'est que Osiris, c'est donc le patriarche, hein, celui qui a créé la civilisation égyptienne, qui la maintient, et il se fait vieux. Et donc son frère Seth va essayer de prendre le pouvoir. Et pour ce faire, il va le découper en plein de petits morceaux, et qui vont être éparpillés comme ça dans tout le royaume. Et Isis, qui est donc la sœur et la femme d'Osiris, va se mettre à la recherche de tous les morceaux pour le recouper. Et pour faire simple, hein, Isis va donc réunir tous les bouts. Elle va retrouver aussi le phallus donc d'Osiris. Elle va engendrer Horus, qui ensuite, plus tard, deviendra avec son père, voilà, le nouveau dieu, on va dire. Et donc ce Osiris, qui est donc en plein de morceaux tout ça, on lui met des bandelettes et on le met sur le Nil. Et en fait, il passe dans l'au-delà, finalement. Et c'est vrai que moi, je pense pas que la personne qui a fait ça ait cette connaissance. Hein. Mais peut-être qu'il y a des archétypes comme ça qui nous dépassent. Et c'est vrai qu'on peut voir un parallèle avec cet enfant retrouvé sur une rivière avec une cordelette. Voilà, on parle souvent de franc-maçonnerie, tout ça. Peut-être aussi que c'est des délires qui ont influencé peut-être aussi le juge Lambert. Donc je trouvais ça intéressant de parler de ça quand même malgré tout. Donc il y a ça, et puis après effectivement il y a des sectes messianiques, des choses comme ça existe, hein. Notamment ceux qu'on appelait les anti-talmudistes. Donc c'est une secte juive, hein, qui a suivi un prédicateur qui s'appelait Jacob Frank. Et donc voilà, c'était quelqu'un qui, son idéologie c'était de dire finalement on va faire le mal pour précipiter la venue du Messie. Donc c'était un peu leur idéologie, puisqu'à la fin des temps, il y a tout qui va mal et c'est ça qui va faire venir le Messie. Dans leur idéologie, c'est faire le mal pour précipiter la venue du Messie. Donc il peut y avoir comme ça des sectes, effectivement, qui ont des comportements complètement anormaux. Mais je pense que là, c'est surtout de nature... c'est de la fantaisie. Hein. Je pense que là, clairement, on n'a pas tous ces rapports, mais... Comme on reçoit beaucoup de questions là-dessus, je me permets d'en parler. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, alors qui est plus rationnel, parce que je n'ai pas voulu m'aventurer sur ces chemins-là. Mais le fait est que le capitaine Sesma, et il continue à le dire, hein, il l'a dit dans son livre, et il continue à le dire, que quand il a vu cet enfant pour la première fois, alors qu'il venait d'être repêché, et qu'il l'a vu avec ses cordages... très compliqué, enfin cette cordelette nouée de façon compliquée, parce qu'elle était d'un seul tenant, la cordelette, hein. Beaucoup de gens l'ignorent, mais il faut le savoir, il était vraiment ficelé comme on ficelle un rôti. Mais des liens qui n'étaient pas serrés du tout, donc qui ne servaient pas à l'entraver, qui n'auraient pas pu servir à l'empêcher de bouger, et la dernière cordelette passant autour du cou avec un nœud qui évoque quand même le nœud dépendu. Il a toujours eu cette image et il a dit c'est un enfant qu'on a sacrifié. Il est porté sur l'autel du sacrifice, un peu comme le sacrifice d'Isaac, quelque chose comme ça. Donc même lui a quand même perçu, aussi rationnel et terre à terre soit-il, le capitaine Sesma, il a quand même perçu lui aussi qu'il y avait une dimension au moins symbolique, on va dire sinon religieuse, qui peut-être s'être mêlée à cette mise en scène. Voilà. Oui, parce qu'on peut vraiment parler d'une mise en scène, ça paraît évident. Il y a quelque chose d'inutile, en fait, dans le fait de l'attacher, de le déposer de cette façon. Moi, je suis quand même convaincu que ça s'est fait en deux fois, qu'il n'a pas été jeté de suite à cet endroit. Donc tout ça est quand même réfléchi, et effectivement, il y a une mise en scène
voilà, qui nous dépasse. Hein. Pour ça, je trouvais ça intéressant de parler quand même d'Osiris, tout ça. Il y a Seba qui nous dit, voilà, pourquoi perdre du temps à le ligoter, puisqu'apparemment, ça a servi à rien, quoi. Je veux dire, il n'a pas été balancé, il n'a aucune marque sur les mains ou sur les pieds, tout ça. Donc, effectivement, il y a abattu, quelque chose, quoi. Ce bonheur abattu, qui cache le visage, et qui... Non, il y a effectivement quelque chose. Alors, si un jour, l'assassin passe aux aveux, ben, peut-être que... on arrivera à savoir pourquoi il a fait ça, s'il accepte de s'en expliquer. Sinon, on ne sait pas, on ne peut que spéculer, mais on doit constater qu'il y a en effet une part, il y a une part qui nous échappe et qui n'est pas rationnelle. Parce que c'est très facile de tuer un enfant de 4 ans avec violence et d'en finir immédiatement. Hein. C'est très rapide. Or, ce n'est pas du tout ce qui a été recherché. Ce n'est pas ça. Effectivement. Bon, ben voilà, j'espère qu'on aura répondu quand même à cette question qui revient malgré tout souvent. Voilà. Et donc, on passe à la question numéro 7. Oui, bonjour, c'est Johan de Vendée. J'aurais aimé vous poser une question, à savoir, j'ai entendu dire qu'il existait un témoignage d'une personne qui dit qu'elle aurait vu Bernard Laroche plus ou moins dans au moment de l'enlèvement de Grégory, près de la maison de Grégory, mais que cette personne n'avait pas témoigné aussitôt puisqu'elle était en compagnie de son amant et ne voulait pas que ça se sache. J'ai dû entendre ça dans une émission de radio, je pourrais plus vous dire laquelle. Et apparemment, cette personne a donc fait une déposition quelques années plus tard pour dire qu'elle avait vu Bernard Laroche. Avez-vous des informations à propos de ce témoignage? Est-ce qu'il est reconnu actuellement? Est-ce qu'il est pris en compte dans le dossier? Voilà, merci beaucoup, au revoir. Merci, très bonne question. Ça fait longtemps qu'on l'avait celle-là et jusqu'à présent c'était un thème un peu compliqué parce qu'avec Electra on n'était pas vraiment d'accord. Hein. Moi j'ai toujours trouvé ces témoignages un peu tardifs et les explications un peu bidon, parce que je me dis, voilà, il y a quand même un enfant qui a été enlevé, on a retrouvé mort, c'est quand même un truc assez horrible. Donc pour une histoire d'assurance de voiture ou de patron, tout ça, je trouvais ça un peu léger. Et toi, t'as toujours été convaincu, Electra, que ce croisement a bien eu lieu. Oui, ça a eu lieu, oui. Parce qu'il y a trop de témoins. Il y a trop de témoins, enfin, il n'y en a qu'un qui a accepté de témoigner devant la justice, et très tardivement. C'est en effet le conducteur de la Golf, Claude Collin. Madame Claudon n'a jamais accepté de témoigner par écrit ni devant les autorités judiciaires, mais par contre, elle s'est débrouillée pour le dire à la moitié du village. Elle a fait des confidences absolument à tout le monde, et y compris au maire. Puisque le maire a relativement récemment, il y a quelques années, témoigné qu'à lui aussi, elle avait dit la même chose et qu'elle avait vu cette voiture. C'est vrai qu'on pouvait beaucoup s'interroger sur l'attitude de Claude Collin, parce que c'est quand même un élément très grave, ce qui s'est passé, la mort d'un enfant, enfin l'assassinat d'un enfant de 4 ans. Or, dès le lendemain, il revient chez les Claudon, et il leur demande de cacher sa présence, ce qui est déjà, a priori, ça aurait dû en faire un suspect immédiatement, hein, parce que quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il était sur la scène de crime, c'est déjà très mauvais signe. Et comme les Claudon étaient des indicateurs des gendarmes, et en particulier des gendarmes La Chaussée, enfin, tout ça c'est su assez vite. La Chaussée a su très tôt, dès fin décembre ou dès début janvier, que quelqu'un, qu'un ami de la famille, en venant en voiture, avait vu quelque chose. Et voilà, alors il a interrogé Colin, qui à nouveau a refusé d'écrire, a refusé que son... Il a bien voulu confirmer oralement. La Chaussée a fait un rapport à sa hiérarchie, le rapport s'est perdu, on ne l'a pas retrouvé. Et donc tout ça a dormi pendant des années. Jusqu'à ce que ça soit la propriétaire de la maison des Villemains, enfin la personne qui l'a rachetée, qui se trouvait avoir comme le même avocat qu'eux, Maître Moser,
Et un jour, elle allait le consulter pour ses propres affaires. Elle lui a posé la question. Alors, je sais que c'est vous qui vous occupez de cette affaire, Grégory. Est-ce que ça, où ça en est? Et je crois que Moser lui a répondu, mais ça avance. Voilà. Ah, tant mieux, s'est-elle exclamée. Ça veut dire que Madame Clodon a enfin parlé. Et donc, Moser est resté très surpris et lui a demandé de quoi il retournait. Et donc, elle lui a raconté que lorsqu'ils se sont installés avec son mari dans cette nouvelle maison, eh bien, ils ont invité des voisins, comme ça se fait souvent, hein, pour faire connaissance, prendre l'apéritif, enfin, etc. Madame Clodon est venue et elle a tout de suite fait cette confidence à Madame Conrault que ce jour-là, en allant à sa pâture, conduite par un ami qui ne voulait pas qu'on sache qu'il était sur les lieux, elle avait croisé la voiture de Bernard Laroche, qu'elle l'avait parfaitement reconnue et identifiée. Elle a même décrit ses vêtements très précisément, et qu'il était accompagné d'une jeune fille rousse. Alors là, est-ce qu'elle a su que c'était Muriel ou pas? Je ne sais pas si Madame Clodon connaissait Muriel, mais enfin, c'est suffisamment reconnaissable en tout cas pour que ce soit une fille bonne. Ça, c'est pour faire plaisir à Daniel Voilà, parce que qui préfère Isabelle. je préfère Isabelle ou enfin pendant longtemps moi je me suis dit que c'était un peu de la foutaise parce que j'avais lu en fait dans le livre de Marie-Ange Laroche que Madame Conrault était allée la voir. Donc déjà elle achète le pavillon après ce crime. Donc c'est quand même assez particulier. Et puis ensuite elle va même voir des protagonistes, tout ça, et essaye de rentrer en contact. Donc je trouvais sa démarche un peu bizarre, ou ambiguë, on va C'était dire. une passionnée de l'affaire, elle ne l'a pas cachée. Hein. Elle avait acheté le pavillon surtout pour ça, parce qu'elle était très intéressée par cette affaire. Puis elle avait trouvé le lieu beau quand même, avec une belle vue et cette maison agréable. Mais sa première motivation, c'était effectivement l'affaire, et je crois qu'elle a fait comme beaucoup d'enquêteurs du net actuel, elle avait envie d'en savoir un petit peu plus. Bon, elle a très vite compris que c'était extrêmement lourd et elle l'a revendu assez rapidement parce qu'elle en avait ras-le-bol des journalistes, des enquêteurs du dimanche, et etc., qui défilaient chez elle et son zèle n'a pas duré extrêmement longtemps. Mais c'est vrai qu'elle ne s'est pas cachée de cette. Et elle a effectivement fait une démarche pour rencontrer Marie-Ange Laroche. C'est Voilà, donc c'est pour vrai. ça que je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Et puis ensuite, il y avait un PV de Colin, je vais l'afficher. Et donc, il part du 17 octobre, c'est donc le lendemain. Et il dit, au cours de notre conversation, Madame Clodon m'a fait part que le véhicule croisé la veille était conduit par Laroche Bernard et que le passager était Bol Muriel. Moi, je me suis dit, c'est quand même un peu gros. Je veux bien que Clodon, elle connaisse Bernard parce qu'il va faire du bois, tout ça. Mais c'est vrai que qu'elle connaisse Muriel, ça me paraissait un peu bizarre. Et donc je me suis toujours dit, ce témoignage, il vient tardivement. Il y a Conriot qui a le même avocat que les Villemain, ça les arrange un peu aussi pour leur propre procès, tout ça. Donc j'ai jamais cru. Et c'est vrai que là récemment, quelqu'un voilà qui souhaite rester anonyme nous a trouvé une petite info qui est en train de me faire changer d'avis en fait. Ben, c'est pour ça que je vais vous le montrer aussi. Donc on a trouvé une personne qui s'appelle Poulain, épouse Clodon, donc c'est Véronique Clodon. Et donc elle est mariée à Michel Clodon, infirmière psychiatrique au CHS de Ravenel à Mirecourt, donc c'est l'hôpital psychiatrique où Albert aussi allait se faire soigner de temps en temps. Et c'est la belle-sœur de Clodon Christian, donc le fils de la fermière. Et donc le 15, c'est-à-dire la veille du crime, il a heurté avec son car la voiture de Véronique. Et j'avoue que cet élément, il m'a beaucoup fait réfléchir parce que on sait que Claude, comment il s'appelait déjà? Colin. Claude Colin. Voilà, il travaillait pour l'entreprise. Enfin, c'était le patron, on va dire plus ou moins, de Le Christian contrôleur. Clodon, le Le contrôleur de. voilà, le Voilà. contrôleur. Et lui, il va dire que ce jour-là, il était là pour une histoire Le constat. de constat, ou ouais, c'est un truc comme ça. Et c'est vrai que là, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un arrangement entre cette Véronique, les Clodons et Colin, et que finalement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé. Peut-être qu'il y avait, je sais pas moi, une arnaque à l'assurance, où ils se sont arrangés entre eux. Est-ce que cet accident a vraiment eu lieu, ou est-ce que ça a servi à faire passer des frais de réparation sur le compte de la STAV
l'entreprise pour laquelle travaillait Christian Clodon. Et donc, tout d'un coup, ça ouvre d'autres possibilités. On se dit, tiens, c'est intéressant. Voilà. Voilà où on en est. C'est vrai que c'est un élément qu'on n'avait pas, alors on savait. Et c'est ce qui rendait d'autant plus incompréhensible l'attitude de Claude Colin qui disait il ne faut pas dire que j'étais là parce que je ne devais pas être là pour mon entreprise, je n'étais pas censé être là, je devais être à un autre endroit, donc il ne faut pas qu'on le sache, ça pourrait me faire perdre mon emploi. Et dans le même temps, en même temps qu'il dit ça, il dit qu'il est venu justement pour signer le constat d'accident. De Christian Clodon, qui l'attend d'ailleurs avec beaucoup d'impatience, parce que lui doit partir pile à 16h30 pour faire son ramassage scolaire. Et voilà que Colin se fait déjà bloquer par cette fameuse voiture verte, et là que Clodon voit aussi, puisqu'il le guette, hein, il le voit arriver, et il voit un croisement très difficile avec une Peugeot 305 vert foncé. Dont il ne relève pas l'immatriculation, mais enfin, il le voit, et ce véhicule, ou bien Claude Colin est obligé de reculer dans la cour de la ferme Capel, qui par chance était restée ouverte. Voilà, donc il y a déjà un premier croisement difficile, donc c'est pour ça qu'il est un peu en retard, le constat se signe à la va-vite, et puis Christian Clodon saute dans son car et part faire son ramassage scolaire. Et puis, Madame Clodon, elle, pendant ce temps-là, elle était dans son champ de carottes. Elle s'aperçoit qu'il est 17h15, que d'habitude, il faut que les vaches soient rentrées à 17h15, parce qu'il faut que toutes les vaches soient rentrées avant que le fils rentre de sa tournée. Sinon, c'est compliqué de rentrer le car dans la cour. Les vaches peuvent abîmer le car en passant, etc. Bon, donc, elle saute sur son tracteur, elle rentre dardard à la ferme. Et elle attrape son mari et elle lui dit « Mais comment, t'as pas été chercher les vaches, vu l'heure qu'il est ?» Et du coup, Claude Colin qui est là, qui buvait un café apparemment avec la grand-mère ou je sais pas quoi, pour essayer d'apaiser les choses, il lui dit « Mais de toute façon, moi je rentre à Épinal, donc je vous dépose à votre pâture si vous voulez. » Et il embarque en voiture et sur la route de l'Or et du Bois a lieu ce croisement avec à nouveau la même voiture que précédemment. La voiture de Bernard Laroche. Voilà. Et ce croisement, il est entre 17h15, les puristes diront même 17h17, on a pu le mesurer assez précisément à partir de l'horaire du contralographe et du temps que mettent les vaches à rejoindre. Enfin bon, c'est un calcul un petit peu compliqué à l'envers, quoi qu'on fait. Et voilà. Et bien qu'il ait donc cette raison d'être venu faire ce constat, eh bien, il le cache. Dès le lendemain, il dit « il ne faut pas dire que j'étais là ». Donc, c'est un peu incompréhensible. Et quand on découvre ça, qu'en réalité, la personne avec qui il y aurait eu un accrochage, le car aurait eu un accrochage, c'est la belle-sœur, c'est la femme du frère de Christian Clodon, c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu un petit arrangement avec le ciel parce qu'elle n'était pas très bien assurée, qu'elle ne pouvait pas se faire réparer et que… Et que le beau-frère lui aurait dit « t'inquiète pas, ça va s'arranger, on va dire que c'est moi qui t'ai fait ça et tout passera sur l'assurance de la STAV ». Parce que c'est vrai qu'à la base, en fait, il dit « oui, c'est parce que c'était mon véhicule de service et j'ai pas le droit de prendre des passagers et tout ça », mais je pense que si on compare ça à un enfant, enfin tout ce qui s'est passé, voilà. C'est pas logique. Alors que cette version, elle me paraît beaucoup plus raisonnable et on n'en a jamais entendu parler en plus. C'est une découverte récente. Donc voilà, du coup, ça remet le croisement dans les possibles. Ce qui me fait très plaisir, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. J'avoue. Donc voilà, effectivement, ce croisement, il existe, et on connaît ça assez bien, et j'espère que Johan, on aura pu répondre à tes questions. On va passer à la prochaine question, c'est une question d'Olympe. Oui, bonjour, c'est Olympe. Je voudrais savoir, j'ai entendu sur la piste Laroche que la voiture de Bernard Laroche avait circulé le 15 octobre, mais le 15 octobre, Marie-Ange ne travaillait pas. Est-ce qu'elle a été interrogée sur ce sujet pour savoir si son mari était chez elle ou s'il était en vadrouille ce jour-là? Merci, au revoir. Alors, merci à toi, Olympe.
Oui, on a quelques infos là-dessus aussi. Peut-être, Electra, tu peux commenter et je vais chercher les petites aides visuelles. Hop. Ah, je t'entends plus. Oui, j'avais oublié de rappuyer sur le petit bouton magique. Tu m'as fait peur là. Non, mais je suis toujours là. On sait effectivement que les jours précédents, il y a eu des repérages, parce que, alors, la voiture de Bernard Laroche, c'est peut-être un peu rapide de dire ça, en tout cas, une voiture verte ressemblant énormément à la sienne, a été vue à plusieurs reprises, et en particulier la veille, le lundi. Donc ça a été répertorié dans la synthèse d'un crime. Il y a des tas de tableaux et on sait que cette voiture a été vue également le 15, le 16, pardon, oui, dans le 15 la veille, faisant des repérages. Et je pense que c'est ça le document que tu vas donner, Daniel. Il est possible qu'il y ait même eu une tentative hein, le 15, parce que vu les horaires. Où Bernard a été là, vu que son emploi du temps est également un petit peu bancal le lundi. Il est très possible qu'il y ait eu une tentative, mais ce jour-là, Christine était fatiguée, il faisait pas beau, et elle n'a laissé Grégory jouer que 5 minutes dehors, pas plus. Et tout de suite après la rentrée, d'ailleurs, il n'était peut-être pas seul, il n'est pas dit qu'elle l'a laissé seul ce jour-là. Et elle dit qu'ensuite ils sont rentrés, qu'ils ont regardé des dessins animés ou je sais pas quoi, une émission enfantine à la télévision tous les deux, avant qu'elle le prépare pour la soirée. Donc c'est même s'il est passé devant à ce moment-là, c'était probablement trop bref. Enfin là, il aurait fallu vraiment un coup de chance extraordinaire pour qu'il le trouve seul. Mais alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que la veille. Marie-Ange ne travaillait pas, en effet. Alors bon, je crois qu'on a d'ailleurs un procès-verbal. Alors elle avait eu, elle avait très souvent des problèmes intestinaux, des problèmes de mal au ventre, et c'était très souvent la raison de ses absences. Ça, plus la surveillance du petit. Enfin, on sait elle a été licenciée immédiatement après, d'ailleurs, pour un absentéisme tout à fait excessif et elle avait épuisé ses droits congés maladie. Et curieusement, dans cette semaine-là, eh ben, elle travaille le mardi 16. Et c'est pratiquement la seule journée de la semaine où elle a travaillé. Le mercredi, peut-être, mais il y a une petite incertitude. On n'est pas certain qu'elle ait travaillé le mercredi. Et en tout cas, à partir de là, c'est fini. Elle ne travaille plus du tout. Ni le jeudi, ni le vendredi. Enfin bon, après, c'est terminé. Et elle est en préavis et elle n'y retourne plus. Donc, c'est quand même un peu étonnant qu'elle ne travaille que ce jour-là. Ça donne aussi l'impression d'une préméditation, c'est certain. Et Oui, le mais lundi. je suis pas certain, mais c'est vrai que comme par hasard ça tombe le 16. Oui, enfin, c'est un hasard heureux, on va dire, alors, si tu préfères. Vrai que ça aurait été plus compliqué pour elle. En tout cas, on voit que je vais essayer de remettre le bon PV. On voit que le 15, en tout cas, il est avec Michel Bernard. Ils font du bois Voilà. apparemment chez lui. Mais il monte. Enfin, on a un PV où Jackie déclare voilà que Bernard avait une coupe sur les hauts de l'épingle. J'ai Tout à cherché, j'ai fait. rien trouvé de plus hein, à part cette sortie de Jackie, quoi. J'ai pas trouvé plus d'éléments là-dessus. On en a, et il y avait eu des recherches qui avaient été faites justement sur le forum de Claude Tinès. C'est vrai qu'il y avait des coupes d'affouage ça s'appelle d'affouage, hein, c'est quand c'est la mairie, puisque là il s'agissait d'un bois communal, accorde des coupes, comment dire, c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'elle fait entretenir le bois, en gros, puisqu'il faut couper le bois, par les habitants du village. Et en échange, ils ont le droit de garder ce bois qui leur sert de bois de chauffage. En principe, c'est réservé à la municipalité dans laquelle ça se passe, les coupes d'affouage, mais en réalité, on n'est pas obligé de la faire soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un du village peut la solliciter et se l'avoir attribuée, mais après, il peut très bien dire que lui, il n'a pas les moyens de couper parce qu'il n'a pas, je sais pas quoi, le tracteur, la scie qu'il faut. Donc, il demande à son cousin qui habite le village d'à côté. Enfin, il y a beaucoup d'arrangements avec le ciel, on va dire.
Et on sait qu'il y avait eu des délibérations du conseil municipal très peu de temps avant, autorisant justement ces coupes d'affouage. Et donc, elles ont eu lieu. Et Bernard, apparemment, en avait sollicité une. Et ça faisait à peu près 3 semaines ou 1 mois qu'il faisait du bois. Et on pense que cette coupe se situait juste à côté de chez Béline, enfin dans le haut, là, au bout du chemin. C'est pour ça qu'il était assez connu dans le coin, parce qu'il venait régulièrement avec sa voiture et il faisait sa coupe. Alors, ce qui est un peu étonnant, par contre, c'est que bien que... Alors, Sébastien est allé à l'école le lundi, ça on le sait, et bien que Marie-Ange ne travaille pas, c'est pas elle pourtant qui est allée le chercher à l'école et tout, et apparemment, c'est Bernard et Michel qui sont allés chercher leurs enfants ensemble à l'école à 16h30. Mais c'est vrai que ça laisse tout à fait le temps... que c'est fait, il peut avoir très bien laissé Sébastien à la garde de Michel et foncé à l'épange, et voilà, il peut très bien avoir été vu dans l'épange aussi à d'autres heures de la journée, avec peut-être une tentative donc qui n'a pas fonctionné, ou d'ultime repérage. Peut-être sont vraiment allés juste couper du bois là-bas, et c'est là qu'il s'est aperçu que l'enfant jouait dehors et qu'il y avait peut-être une possibilité. Qu'est-ce qu'on sait sur ce soir-là, enfin, le 15, Grégory joue un peu dehors aussi. Hein. C'est ça, 5 minutes. 5 minutes parce qu'il ne faisait pas beau, et que Christine elle-même était fatiguée, elle ne se sentait pas bien, elle était un peu indisposée, et elle n'avait pas envie de le surveiller, ou elle avait envie de se déshabiller, de se mettre à l'aise. Donc elle l'a laissé que 5 minutes, et elle l'a fait rentrer, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont regardé ensemble la télévision. Voilà, c'est son témoignage, c'est ce qu'elle dit. Donc voilà pour la question d'Olympe. J'espère qu'on aura bien répondu. Et maintenant, on passe à la question... Ça, c'était la 8. Donc on passe à la question numéro 9. Oui, bonjour. Je vous avais déjà appelé la dernière fois. Donc je tenais à vous remercier pour les réponses que vous m'aviez fournies à l'antenne. Donc cette fois-ci, j'aurais 2 questions. Je vais faire vite. La première concerne le foulage retrouvé sur la lettre de revendication. Donc, il semblait que c'était assez évident et même assez établi que les initiales de Bernard Laroche étaient identifiables sur ce foulage. Et or, je viens de regarder, il y a quelques temps déjà, une vidéo de Dan Tana qui... Voilà, qui bon, en gros, remet un peu en cause le fait qu'on puisse clairement identifier les initiales de Bernard Laroche pour plusieurs raisons. J'imagine que vous avez déjà dû voir la vidéo et que vous connaissez les arguments. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, en fait, qu'est-ce que vous pensez de voilà, est-ce que vous pensez que le foulage effectivement ne désigne effectivement pas Bernard Laroche, ou est-ce qu'au contraire ça paraît évident que c'est son écriture, que ce sont ses initiales. Voilà, Dan Tana lui dit qu'on ne reconnaît qu'un B, qu'on ne peut même pas dire à elle. Voilà, et donc ma seconde question concernait les Jacob. Donc il me semble que les Jacob mentent beaucoup quand même face aux gendarmes et dans leur déposition. J'ai regardé il n'y a pas longtemps la conférence de presse du procureur de Dijon, que le procureur de Dijon avait donnée en 2017. Et donc, il dit les enquêteurs prennent les déclarations de Marcel Jacob, excusez-moi, avec beaucoup de parcimonie, parce qu'il dissimule les antagonismes qu'il y avait entre lui et la famille Piment, les différents membres. Et effectivement, dans leur interview sur BFM, ils mentent à nouveau en disant qu'ils se sont jamais intéressés à l'affaire Grégory. Enfin, bon. C'est des choses que moi j'ai entendues dans vos émissions qui étaient relativement établies, le fait que Marcel Jacob portait une attention particulière à l'affaire. Voilà. Donc ma question était la suivante. Pourquoi, alors, si c'est pas eux, dans l'hypothèse où ce serait pas eux, pourquoi mentent-ils? Pourquoi mentent-ils à ce point? Voilà, je vous remercie et bon courage à toute l'équipe et merci pour votre travail. Alors, très vaste question. Sur le foulage, je pense que l'experte, c'est encore toi, Electra.
Oh non, vraiment pas, mais enfin. Surtout que Moi, je vais pas dire j'avoue des choses. que, moi, j'avoue que sur ce fou-là, je vois plutôt un truc, ça me fait penser un peu à les codes QR, tu sais, qu'on peut scanner avec le téléphone. C'est vrai que moi, je vois rien du tout. Mais oui, Après, je vais essayer de on voit montrer quand rien. même ce fameux foulage. Non, le problème, c'est ça, c'est que ce foulage, on voit rien. Enfin, les images qu'on en a maintenant. Moi, j'ai jamais rien vu. À la rigueur, on voit deux triangles superposés là dans la partie droite. Peut-être si tu donnes la deuxième image aussi, Damien, qui est entouré en jaune là. Alors, il paraît que ça serait un B. Bon, mais je trouve que les images, en tout cas, dont on dispose à l'heure actuelle, on ne voit rien. Ce foulage a quand même probablement existé. Parce qu'il a été vu, malgré tout, par un certain nombre de témoins tout à fait fiables, le 30, ou 30 octobre ou 31 octobre. J'ai une petite hésitation sur la date de la date de la réunion. Mais alors que les deux expertes en écriture étaient là, le gendarme Klein a essayé, avec, il a mis une lampe, une lumière rasante, et il a découvert ce foulage. Des traces donc dans le creux du papier qui montraient que sur la page précédente, enfin ce qui avait été écrit sur la page précédente s'est inscrit en creux sur cette page-là. Et là, tout de suite, il a été ravi de sa découverte. Donc les deux expertes en écriture sont venues constater, ont vu elles aussi ce foulage. On a tout de suite prévenu le juge Lambert qui a été très enthousiaste, qui a vu le foulage et il était tellement enthousiaste qu'il a fait venir le procureur Lecomte. Et puisque tout ça se passe au palais de justice d'Épinal. Et le procureur Lecomte, lui aussi, témoigne et a vu ce foulage. Donc il n'y a pas de doute, là, ce sont quand même des témoins suffisamment fiables pour qu'on ne les mette pas en cause. Quelque chose a été vu, il n'y a pas de doute, un foulage en creux le 31. Le gendarme Klein a pris des photos et il a envoyé tout ça par bordereau. On possède aussi la copie du bordereau au juge Lambert. Et tout ça s'est égaré. Et voilà. Il a disparu du dossier. Plus de photos, plus de bordereaux. Bon. Quand le juge Simon a repris l'instruction, il a redécouvert cette histoire qu'il y avait eu que cette séance, qu'au cours de cette séance, un foulage avait été découvert. Et par chance, le gendarme avait gardé le double de son bordereau. Et surtout, il avait gardé un autre rouleau de pellicule. Il avait fait deux rouleaux. Et donc, on a fait développer le deuxième rouleau, et je pense que les images qui ont été reprises, je crois, dans Faites entrer l'accusé, et qui est une émission ancienne de 2007, je crois, quelque chose comme ça, et probablement dans des documentaires de l'INA, je crois que tu as eu une image d'un document de l'INA, il me semble, Daniel, enfin d'un ancien journal télévisé, probablement. On voit il y a ces photos, voilà, où on voit pas grand-chose. Alors, les gendarmes tout de suite ont cru détecter donc un L et un B. Et comme Bernard Laroche avait déjà été interrogé et avait déjà signé un procès-verbal, on s'est rendu compte que il signait de cette façon, c'est-à-dire un L, le L de Laroche, il signait à l'envers, Laroche-Bernard. Et le Laroche, le L de Laroche est en cursive, alors que le B de Bernard est en lettres d'imprimerie. Or, apparemment, ce qu'on voyait dans ce foulage, c'était ça, un L que moi je n'ai absolument jamais vu, et un B qui lui ressemble plus à du script, puisque c'est deux triangles superposés, hein, en gros. Mais c'est quand même pas si simple, malgré tout ça, parce que on connaît un procès-verbal de Jean-Marie Villemain qui raconte qui témoigne de ce que les gendarmes lui donnaient comme renseignements sur l'enquête. Il allait les voir régulièrement pour savoir comment ça avançait, etc. Et donc, une fois où il les rencontre, les gendarmes lui racontent ça, qu'ils viennent de trouver sur la lettre de revendication un foulage. Donc, c'est une information assez importante. Mais ils ajoutent que ce qu'ils ont vu comme lettre, c'est un L. Et puis, la deuxième lettre,
ils sont pas sûrs. Il y a une hésitation, ça peut être un B ou ça peut être un T. Et si c'est un T, évidemment, c'est plus du tout la même chose. Et c'est pour cette raison, lui disent-ils, du moins c'est ce qu'il raconte dans son procès-verbal, c'est pour cette raison que, cette lettre aurait été envoyée, alors dans un premier temps, simplement dans un laboratoire assez simple à Sarrebourg, puis par la suite dans un laboratoire plus sophistiqué qui utilisait un appareillage compliqué qui n'a pas pu fonctionner à cause de la poudre qui avait été mise pour révéler les empreintes digitales sur cette lettre, et c'est un genre de poudre magnétique et qui bloquait le fonctionnement de l'appareil. L'appareil, du coup, était inefficient. Ce qui fait que, tout en disant qu'on peut peut-être le voir encore à l'œil nu, que sûrement il a existé, on n'en a pas de preuve, on n'en a pas de certitude. Les photos qui existent actuellement, qui sont de la récupération, vraiment, moi, je tire mon chapeau à ceux qui voient quelque chose, parce que personnellement, je ne vois rien. Entre-temps, de toute façon, cette pièce a été définitivement annulée et sortie du dossier, donc on ne peut plus l'utiliser en justice. C'est une pièce annulée. Oui, je me souviens que j'avais lu ça dans le livre de Weiser. Il se moque un peu de Klein, le gendarme qui avait fait qui avait découvert ça. Et c'est vrai qu'à la barre, en fait, il s'est un peu trompé, il s'est mêlé les pinceaux. Oui. Et donc, il a attribué, je crois, des écrits ou quelque chose comme ça à Bernard Laroche, alors que ses écrits étaient après sa mort. Et donc, oui. Il a été un peu moqué tout ça. Je crois que sur le foulage, en fait, il travaillait avec des lumières, je crois. Un truc comme ça. Je crois qu'il avait une simple lampe de bureau, mais qu'il mettait dans une position de lumière rasante. C'est-à-dire, je ne sais pas, je suppose que c'était ces lampes qui avaient un pied, flexible, là. Et donc, en arrivant à le positionner d'une certaine façon, je crois que c'était assez artisanal ce que faisait Klein. Et c'est pour ça que ça a été envoyé à Sarrebourg, où là, sans doute, ils avaient des mécanismes lumineux plus sophistiqués. De vrais dispositifs de lumière rasante. Mais bon, du moment où cette lettre a voyagé, elle a été mise sous enveloppe, elle a été portée dans des grands sacs postaux, elle a subi un poids, etc. Forcément, en plus d'avoir été saupoudrée de poudre noire, ça tout de suite, dès le premier jour, forcément, un foulage, ça s'efface. C'est exactement comme un herbier. Hein, quand on met une jolie fleur dans un livre épais, au bout de quelques années, c'est devenu quelque chose d'absolument tout plat, qui perd tout relief. Et actuellement, cette lettre, qui est d'ailleurs dans un état épouvantable, évidemment, elle a été conservée depuis 36 ans dans des dossiers très épais et dans des piles de dossiers, il n'y a plus le moindre creux. Tout s'est comblé, bien entendu. Donc le foulage n'existe plus de toute manière. C'est pour ça que ce n'est pas une tellement grosse perte que ça a été sorti du dossier. Alors, effectivement, à cause des résultats de la stylométrie, on peut se poser alors à nouveau la question, si c'est Jacqueline Jacob qui est désignée par la stylométrie comme ayant écrit cette lettre, comment se fait-il que ça soit un foulage de Bernard Laroche, possiblement, qui figurerait sur cette lettre? Et ça rejoint la première partie de la question, quelles étaient les relations entre les Jacob et les Laroche? Bon, on sait que leur maison était extrêmement proche, ils étaient voisins très proches. Marcel Jacob a fait bâtir sur un terrain qui appartenait à Marcel Laroche, le père de Bernard, qui le lui a vendu. Et d'ailleurs, après la mort de Marcel Laroche, je crois qu'il voulait à nouveau un morceau de terrain que Bernard a refusé de lui vendre, parce qu'il voulait s'agrandir un peu. On sait que les deux maisons communiquaient par les jardins, qu'on pouvait d'ailleurs aller de l'une à l'autre sans être vu, parce qu'avec la végétation, les pins, enfin tout ça, c'était pas difficile en passant par les jardins. Et très probablement, ils étaient très proches, ça, c'est ce qui s'est toujours dit. Marcel était l'oncle le plus... Il était le dernier de la grande fratrie Jacob. Il n'avait que 10 ans de plus que Bernard. Comme Bernard a été élevé, étant orphelin de mère, il a été élevé par la grand-mère Adeline. Tout petit, il était élevé avec son oncle Marcel, qui n'avait que 10 ans de plus que lui. Donc, ils ont joué ensemble, etc.
c'était presque plus un cousin qu'un oncle. Et ils sont restés assez proches, je crois. Bon, j'imagine que quand ils se sont mariés respectivement, évidemment, chacun a eu sa vie et son foyer, mais tout permet de penser qu'ils étaient quand même très proches. D'ailleurs, Marie-Ange Laroche, dans son livre, où elle raconte qu'il s'agit d'un vieil oncle à la retraite, alors qu'il avait 39 ans, mais elle le décrit bien quand même comme quelqu'un de très proche, qui s'occupait beaucoup de son neveu à sa sortie de prison, puisqu'il l'accompagnait soi-disant tous les jours en voiture à l'usine pour être sûr qu'il ne lui arriverait rien. Enfin, on voit que ce sont des gens très familiers. Le jour de la mort de l'assassinat de Bernard Laroche, les journalistes de Paris Match en particulier se sont rendus tout de suite sur les lieux et on voit Muriel dans les bras de Marcel Jacob. On voit bien qu'il y a une très grande proximité, que tous ces gens-là se connaissent très bien et sont très proches. Il ne faut pas faire croire que voilà, c'était des voisins qui se disaient coucou deux fois par an, hein, pas du tout. Oui, d'ailleurs, ça c'était marrant aussi quand Jacob raconte, quand Marcel dit « Non, mais on ne le voyait jamais. Voilà, temps en temps, oui, un apéro, oui, bien sûr. » Une fois de temps en temps, pas plus. Voilà. Je montre des images au drone, on voit bien que les deux maisons sont vraiment… Il n'y a même pas de barrière, comme tu disais. Hein. Oui, on va de la… Et donc, Valérie Jacob, leur fille, a beaucoup sympathisé avec Isabelle tant que c'était elle qui assurait le même rôle que Muriel a assuré plus tard auprès de Sébastien. Elle est restée l'un dans l'autre 18 mois, presque 2 ans, avec des interruptions. Chez Bernard Laroche, elles s'étaient très liées toutes les deux et elles étaient les meilleures amies du monde. Elles se fréquentaient beaucoup et elles étaient tout le temps ensemble, chez l'une ou chez l'autre. Donc bon, il y avait vraiment des liens. Tout ça pour dire que ce n'était certainement pas très difficile pour Jacqueline Jacob d'accéder au bloc de courrier de Bernard Laroche, soit à son insu, admettons, mais peut-être aussi tout simplement parce qu'il lui a peut-être dit à un moment donné je cherche à faire une lettre, je ne sais pas la faire, est-ce que tu pourrais pas me la faire, et que ce serait elle qui aurait écrit et qui lui aurait passé son bloc. Enfin, on ne sait pas, ça ne peut être que des suppositions, mais ils étaient suffisamment proches pour que ce soit très possible que ce soit Jacqueline Jacob qui écrive sur un bloc qui appartenait à Bernard Laroche. Voilà, c'est ça là où je voulais en venir. Oui, parce qu'on parle souvent de manipulation des gendarmes, tout ça, mais je me dis, s'il s'agit vraiment d'une manipulation, il serait pris un peu plus intelligemment, quoi. Et là, on voit qu'au contraire, ils n'ont pas pris les précautions nécessaires, avec la poudre et tout ça. Donc, A à Z, oui. Ouais. Donc, soit c'est un pur hasard, soit c'est vraiment un foulage, hein. Ça reste possible quand même. Mais on ne peut pas prendre en compte, quoi. Voilà, de toute façon, c'est une pièce qui ne servira plus judiciairement. Enfin, personnellement, j'ai tendance quand même à croire non seulement le témoignage des deux expertes en écriture qui étaient présentes, qui n'avaient pas forcément d'intérêt à dire ça, particulier, je veux dire, surtout qu'il n'était pas spécialement suspecté, enfin, il n'était pas suspecté vraiment à ce moment-là, il avait été interrogé un peu que comme ça, à cause de la dénonciation de Marie-Ange, mais c'est tout, il n'était pas encore sur la sellette. Le témoignage de Muriel n'intervient qu'après, hein, puisque ça se passe à la réunion donc du 30 ou du 31. Donc, voilà. Et le procureur le compte, en tout cas. Bon, Lambert, il était tellement un peu fantaisiste, alors il s'est enthousiasmé, voilà, mais enfin, c'est vrai que lui, il n'est pas très fiable dans rien de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Je pense que le procureur le compte, c'est la même chose. S'il dit qu'il a vu ce foulage ce jour-là, c'est qu'il l'a vu. Il y a eu certainement quelque chose. Alors, je crois que il y avait une deuxième question. J'ai pas tout répondu. Si, oui, je pense que tu as répondu à tout. Il y avait peut-être encore un article du JDD qu'on voulait montrer, mais je pense que c'est suffisant quand même. Voilà, j'espère qu'on a répondu à cette question. Alors, sa deuxième question, c'était sur les mensonges. Ah oui. Sur les carnets, un peu sur les carnets du juge Simon, tout ça. Ah oui, c'est ça, c'était sur les mensonges des Jacob. Ben oui, c'est vrai que ça paraît évident qu'ils minimisent au maximum, dans leurs dernières interviews, là, ils minimisent leur relation et ils minimisent leur inimitié, qui est pourtant notoire, avec les Villemain. Toutes les scènes qui ont été décrites comme quand même très violentes,
sur la route, des grosses bagarres. Jean-Marie l'avait quand même pris, il l'avait soulevé de terre en le prenant au collet. Bon, enfin, il y a eu quand même des scènes et des bagarres assez violentes. Alors tout ça, non, c'est rien du tout, c'est juste des petits accrochages. Il ne s'intéressait pas du tout à l'affaire, mais non. Mais si on a retrouvé des coupures de journaux chez eux, ce n'est pas parce qu'ils s'y intéressaient, c'est parce que c'est les voisins qui leur donnaient. Enfin, tout est à peu près de ce tonneau, c'en est ridicule. Et ce comportement-là avait déjà été noté par le juge Simon, qui l'avait dit dans ses carnets, à la première convocation de Marcel Jacob, à laquelle, alors Jacqueline était convoquée aussi, c'était monsieur et madame, ils étaient convoqués tous les deux. Jacqueline, elle s'est fait porter, elle n'y est pas allée du tout. Et Marcel a dit, ah bon, elle était convoquée aussi. Oh non, moi j'ai cru qu'il n'y avait que moi, voilà, donc elle n'y est pas allée. Et lui, eh ben, il a été tellement déjà profil bas, minimisant tout, que le juge Simon note dans ses carnets, c'est tellement aseptisé ce qu'il raconte, il ne s'en rend même pas compte que ça ne fait que charger encore davantage Bernard Laroche. Tellement il est un profil tout lisse, tellement il y est pour rien, tellement il comprend rien, ben du coup, par contraste, il ne fait que charger son neveu. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une attitude très étudiée, très manipulatrice? Est-ce que vraiment les mesures de QI qui ont été faites là, quand ils ont passé l'expertise psychiatrique en 2017, enfin les différentes expertises, n'ont pas été brillantes. Hein. Je crois qu'on lui attribue un QI de 70 ou 80, hein, pas plus que ça. Alors évidemment, c'est à l'âge qu'il avait en 2017. Ça ne veut pas dire que... Parce que ça peut baisser avec l'âge, bien sûr. On peut avoir des handicaps qui s'installent, perte de mémoire, enfin, etc. Peut-être qu'il était plus intelligent, qu'il avait un meilleur QI étant plus jeune. Enfin, bon, c'est très difficile de savoir si tout est très manipulé, si c'est un système de défense ou s'ils font ça un peu à l'instinct, comme ça. En tout cas, c'est certain qu'ils mentent. Alors, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi ils mentent s'ils y sont pour rien? C'est vrai. Est-ce que c'est pour ne pas avoir d'ennui, pour ne pas être stigmatisé dans le voisinage? Enfin, ils passent pour un couple de gens normaux, gentils, qui participent aux réunions du village, les repas de fête, ces choses-là, les associations, bon. Voilà, un petit couple de grands-parents bien tranquilles. Ils tiennent peut-être à cette réputation. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ne collent pas avec tout ça. Depuis le fameux PV de réunion syndicale, les lettres que... Parce que quand Marcel s'est rendu à cette convocation du juge Simon, quand même, sa fille Valérie témoigne qu'il était très inquiet et qu'il a dit « s'il m'arrive quelque chose, il faudra me soutenir, il ne faudra pas me laisser tomber ». Au moment des prélèvements d'ADN, il écrit à la famille et notamment à sa sœur Monique, « Je jure que je n'ai rien fait et la vie ne vaudrait plus la peine d'être vécue si vous ne me croyez pas ». Enfin, tout ça, ça paraît très excessif pour quelqu'un qui n'aurait rien à se reprocher. Il aurait dû être ravi qu'on lui prélève son ADN, puisque ça ne pouvait qu'innocenter. Aujourd'hui, c'est différent. Ils sont là, oui, l'ADN, pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui. Bon, voilà. Donc, tout ça est évidemment suspect. Ce n'est pas suffisant à donner des preuves. Hein. Mais disons que ce sont des indices qu'il y a. Pour le moins, ils sont au moins au courant de choses qu'ils cachent. Et donc, le résultat de la stylométrie par là-dessus, ça commence à faire quand même pas mal. Quoi. Après, on peut les comprendre hein, s'ils ont juste corboté parce qu'ils avaient leur petite guéguerre avec. Oui. Bon, ils sont un peu dans la merde, on va dire, en bon français. Si jamais ils avouent ça, bon, c'est fini, quoi. C'est peut-être le lynchage physique, des choses comme ça. Donc, ils sont pas obligatoirement coupables du crime, quoi. Mais je pense qu'ils savent des choses et ils ont sûrement corboté. Mais voilà, c'est juste une opinion. Mais je suis assez de cet avis. Le corbotage, c'est évident. Qui savent des choses, ça me paraît évident aussi. Après, une participation directe, là, ça reste... Et puis, ils n'ont pas d'alibi, malgré tout, confirmé. Hein. Quoi qu'ils en disent, il n'y a aucune confirmation de leur alibi. Donc, voilà.
Ce ne sont pas des preuves, mais il y a des présomptions. Voilà pour cette question d'un appelant anonyme. Et maintenant, on va passer à la question numéro 10. Bon, on en a encore 6 devant nous. Hein. Donc ce soir, ça va être un live très long. Et on est vraiment nombreux, donc on est content. Merci à vous. Et voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like aussi. Nous, ça nous aide pour les algorithmes. Donc on va passer à la question numéro 10 de Léa. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Léa. Et voici ma question en ce qui concerne la rétractation de Muriel. Et surtout son silence autour de tout ça. Donc voilà, je me posais la question, sachant que Bernard Laroche, on le sait, à ses volages, qu'il a fait des avances, par exemple, à Christine et qu'il y avait d'autres histoires de coucherie. Donc je me demandais s'il était possible qu'entre Bernard Laroche et Muriel, que tous deux entretenaient peut-être une relation un peu plus poussée que celle d'un beau-frère et d'une belle-sœur. Parce que je sais qu'aussi Muriel, j'avais lu ça dans un livre que Muriel avait dit, en plus des menaces pour sa rétractation, donc ces menaces que les gendarmes lui auraient fait concernant elle qui irait en maison de correction, qu'elle aurait couché avec Bernard. Donc je me demandais si ça expliquerait pas aussi la haine que Marie-Ange porte à sa sœur et... peut-être pourquoi Bernard est passé chercher Muriel avant d'aller chez les Villemain. Voilà, merci beaucoup à vous pour tout le travail que vous fournissez. Au revoir. Alors c'est vrai qu'on entend souvent parler de ça, quoi. Apparemment les gendarmes ont dit à Muriel, demandé si elle couchait avec Bernard. Je sais pas. Nous on n'a rien trouvé. Qui le confirme. C'est sûr que la question lui a été posée. Elle lui a été posée dans un cadre normal et pas du tout agressivement, je pense. Mais la question lui a été posée, est-ce que tu couches avec ton beau-frère ? Et ce, d'autant plus que y a une suspicion qui porte sur donc sa sœur Isabelle quand elle était... qu'elle remplissait le même rôle donc chez Bernard. Elle en est partie précipitamment. Elle a subi un avortement immédiatement après son départ. Je crois d'ailleurs que c'est Marie-Ange qui l'a mise à la porte la deuxième fois. Enfin, il y a eu deux départs et le deuxième s'est mal passé. Elle aurait avorté et pourtant elle s'est tout de suite installée avec son futur mari Valerio. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi il y aurait eu cet avortement. C'est vrai qu'il y a matière à se poser la question. Est-ce qu'en tout cas, avec Isabelle, il n'y aurait pas eu une liaison ? Avec Muriel, ça paraît beaucoup moins probable. En tout cas, à la suite de cette question, la famille Boll a pris ça très mal, ce qu'on peut comprendre. Hein, elle avait quand même que 15 ans. On lui a fait passer un examen gynécologique. Il y a eu un certificat de virginité qui a été établi par ce médecin. Et les frères Boll, en particulier... avait organisé une sorte de rencontre avec les journalistes dans un café et il brandissait le certificat de virginité et qui voulait le voir pour montrer que non, il n'y avait eu aucune relation entre Muriel et son beau-frère. C'est probable que Muriel était très attachée à Bernard. Hein, elle le dit encore maintenant dans le livre qu'elle a publié. Elle était peut-être un peu amoureuse de lui, c'est très possible. Elle dit que c'était un homme bon, qu'il était très gentil, qu'elle était dans une atmosphère très apaisante chez sa sœur, qui n'avait jamais un mot plus haut que l'autre, alors que chez elle, c'était une famille très nombreuse, et puis on sait que ça ne se passait pas forcément très bien, qu'il y avait beaucoup de cris, beaucoup de disputes. Là, elle a été un peu dans un havre de paix, et c'est très possible qu'elle se soit beaucoup attachée à Bernard, et que tout en le dénonçant dans son témoignage, elle en a eu du remords en même temps. Elle a beaucoup pleuré, je crois, à sa mort. Elle a été très, très affectée. Et je crois qu'elle continue à aller très régulièrement fleurir sa tombe. Hein. C'est ce qu'elle dit dans son livre. Mais je ne pense pas non plus qu'on puisse dire qu'il y ait eu une relation... coupable, adultère entre elle et son beau-frère, c'est pas certain. Alors quant aux pressions donc des gendarmes, tout ça,
On sait qu'il y a eu une enquête effectivement très très sérieuse et en particulier donc sur la question plus précise de savoir si c'est vrai qu'elle a été menacée de maison de correction. Eux l'ont nié. D'ailleurs, les maisons de correction n'existaient plus depuis très longtemps. Hein. Elles ont été fermées en 52 ou 53. Ensuite, les mineurs n'étaient plus dans des centres fermés. Ça, la gendarme ne pouvait pas l'ignorer. Et en tout cas, lors de l'enquête qui a eu lieu et lors de sa confrontation avec les gendarmes, Muriel n'a pas été capable, on lui a passé tous les gendarmes en revue qu'il avait interrogé. Alors, est-ce que c'est un tel, est-ce que c'est un tel, est-ce que c'est un tel? Et elle a été incapable de dire lequel. Ah non, c'est pas lui. Et finalement, il n'y en a aucun qu'elle a pu désigner comme étant celui qui l'aurait menacé d'être placé en maison de correction. Bah, c'est pour ça que je me demandais si c'était pas une manœuvre d'avocat ou quelque chose comme ça. Oui. Bah, c'est une possibilité, quoi. Oui, c'est très possible. Et oui, c'est très possible. Et en tout cas, ça participait à tout de suite cette ligne de défense qui a été mise au point par les Bol, bien sûr avec l'aide d'un avocat et pas tout seul, que Muriel avait subi des pressions épouvantables des gendarmes et que c'est pour ça qu'elle avait craqué et qu'en réalité, tout son témoignage était annulé. Voilà, ils avaient fait pression sur elle, ils l'avaient terrorisée, ils l'avaient accusée de coucher avec son beau-frère, ils lui criaient dessus, et donc à partir de là, elle a signé tout ce qu'on a voulu. Voilà. C'est le système de défense qui n'a pas changé d'ailleurs, hein, qui reste le même depuis 36 ans. C'est vrai que moi, j'y crois pas trop. Hein. Je pense qu'il n'y avait rien entre elle et la Roche, dans le sens où en plus, ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle y était. Donc ça faisait 2 mois et demi, quelque chose comme ça, alors qu'Isabelle est restée beaucoup plus longtemps. Et en plus, il y a des choses bizarres autour d'Isabelle. Oui. Donc son petit copain qui s'appelait Dominique B, lui ensuite, il va se mettre en couple avec... on sait que les Jacob, ils avaient des relations d'échangisme avec un autre couple. C'est Roger et Marie-Claire G. Ah ouais. Ouais. Et donc le petit copain d'Isabelle va se mettre en couple... après, un peu plus tard, avec cette Marie-Claire. Donc, voilà, il y a une espèce de ligne... Et c'était plus son petit copain. Ils étaient mariés. Oui, ils étaient mariés. Parce qu'elle s'est installée, effectivement, avec son petit copain, mais ensuite, ils se sont mariés, et c'était son mari. Et là, c'est curieusement, effectivement, Roger Godel, quand sa femme l'a quitté, parce qu'il ne voulait pas d'enfant, apparemment, et ben, elle est allée vivre avec le mari d'Isabelle. Il y a quand même des chassés-croisés très étonnants dans ces familles. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura répondu à la question de Léa. Je propose qu'on passe directement à la question 11. Le temps que je la charge, maintenant, je vais trop vite. Hop, question 11, c'est parti. Bonjour à tous. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée. Voilà, le corbeau sévit sans vergogne et il est persuadé de n'être jamais découvert. Il ne se fait plus entendre pendant 18 mois, je pense. Avez-vous une idée de la raison de ce silence? Merci pour votre réponse. Bonne continuation. Au revoir. Je pense que c'est multifactoriel. Hein. Il doit y avoir plusieurs choses qui se sont cumulées, on va dire. C'est vrai que là, on parle des tables d'écoute, donc c'est vrai que ça fait un peu peur. Il y avait une plainte, des choses comme ça. Moi, je suis sur une autre piste, mais je veux un peu la développer avant d'en parler. Il y avait aussi un voisin, le voisin en fait de Bernard Laroche et de Marcel, ceux qui ont vu le live où on était sur place, là où il y avait la dame au pull rouge. En fait, là, le mec qui habitait là, il s'est suicidé à ce moment-là, quoi. Donc, ça pourrait coïncider aussi. Il y a plein de pistes, mais je pense que principalement, voilà, c'est la plainte. Donc, il sait quand même qu'on le recherche. Il y a des tables d'écoute, tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Electra. Oui, j'en pense la même chose. Je pense que le corbeau cesse de téléphoner du moment qu'il a la certitude que la table d'écoute a été installée.
Il le sait, parce que Monique, comme d'habitude, avec sa langue trop longue, s'en vante un peu partout. Ben, ça y est, on nous prend au sérieux, la plainte, enfin, voilà, et ben maintenant, on va avoir une table d'écoute. Et ça n'a pas été la seule qui a été posée, d'ailleurs. Il y en a eu une autre chez Verdure. Enfin, il y a eu plusieurs tables d'écoute qui ont été posées. Et évidemment, ce qui aurait été intelligent, c'était de ne pas le dire. Mais elle l'a dit, donc ça s'est su, et bien sûr que le corbeau l'a su. Et d'ailleurs, il a téléphoné pour lui dire que dès que la table d'écoute sera mise en place, moi, je ne téléphonerai plus, ou je téléphonerai de cabine, ou... voilà. Et je crois que ça intervient à la pause de la table d'écoute vers le mois de mars, quelque chose comme ça, 83. Et il y aura plus, il y aura donc un appel ensuite à Autocoussin, le fameux appel à Autocoussin, mais là, bon, il n'y avait évidemment pas de table d'écoute chez Autocoussin. Donc, s'il a, en plus, il a appelé d'une cabine, voilà, il n'y avait pas de problème. Et puis, il va passer à l'écrit. Il va téléphoner de moins en moins, les appels s'arrêtent. C'est un soulagement quand même pour la famille, parce que c'était un harcèlement épouvantable. Hein. C'est pour ça qu'ils en sont arrivés à la plainte. On sait qu'il y a des journées, il y a eu 22 appels, 17 appels en 2 heures dans une soirée, c'était au milieu de la nuit, c'était tout le temps. Voilà, les appels s'arrêtent. Et du coup, le corbeau passe à l'écrit. Et on arrive à cette période là où il y a les 4 lettres qui sont très rapprochées quand même, hein, en 83. Et puis là aussi, ça s'arrête parce que le gendarme Ferru, qui prend ça quand même très au sérieux, il fait de son mieux. D'ailleurs, il y a un juge d'instruction, hein, qui a été désigné pour cette plainte qui a été déposée à Corcieux. Et bien, il se met à tous les convoquer pour la dicter. Et alors là, et bien, c'est la même chose, les lettres s'arrêtent. Parce que là, je crois que le corbeau prend peur. Ces dictées collectives qui, en fait, n'ont pas été tellement exploitées. Elles ont été fournies aux gendarmes ensuite, mais elles n'ont pas été exploitées comme ont pu l'être dans l'enquête après la mort de Grégory, où l'on a fait venir des expertises en écriture, etc. Là, ce n'est pas le cas. Il a fait faire des dictées, ils ont regardé un peu ça, je ne crois pas qu'il y ait eu d'experts désignés. Et puis, comme ça s'est arrêté et que le corbeau s'est tué, voilà, on en est resté là. Pendant 18 mois, on pensait que c'était terminé et toute la famille soufflait. Alors, sauf quand même un appel, qui est le fameux appel chez Liliane et Jackie, qui a lieu, donc, je crois, en mai 84. J'ai une incertitude sur le mois, mais enfin, c'est au printemps, disons, 84. Et c'est un appel quand même qui est très curieux, que tout le monde trouve très curieux, qui fait un petit peu rendez-vous téléphonique. On a l'impression que Liliane sait quand même à qui elle parle, au moins au début. Mais le corbeau arrive quand même à, comment dire, à la coincer. Enfin, il la menace à nouveau. Elle essaye de l'apaiser. Elle lui dit, tu sais, il y a d'autres gens qui t'aiment. Si eux ne t'aiment pas, on s'en fiche. Appelle quand tu as besoin de parler. Enfin, elle essaye de l'apaiser, mais il ne marche pas vraiment. Il la menace. Et c'est là qu'il a proféré les menaces les plus graves. Il menace de tuer Jean-Marie. Il menace de tuer sa famille, enfin sa femme. Et il y a des menaces évidentes contre le petit Grégory. Et il rajoute, de toute façon, je me suis bien débrouillé. Pour que tout porte sur toi et sur ton père. Et moi, je serai tranquille dans mon coin, j'irai même à l'enterrement, et c'est toi que les gendarmes viendront chercher et viendront accuser. Et c'est un peu ce qui s'est passé, puisqu'en effet, les premiers mis en garde à vue le soir du crime, et ben, ça a été Jackie et Liliane, enfin Jackie surtout, mais Liliane a aussi été emmenée à la gendarmerie, et puis les Jacquelles. Effectivement, de ce point de vue, il avait très bien réussi son coup. Et malheureusement, comme à cette époque-là, Jackie et Liliane étaient fâchés avec le reste de la famille, les pauvres parents Villemain n'ont pas été informés de ces menaces. Ils n'en savaient rien. C'est vrai que s'ils avaient su, ils auraient sans doute été plus prudents. Peut-être que Christine, du coup, n'aurait pas laissé le petit jouer seul dans le jardin. Peut-être qu'ils auraient pris un chien de garde, je ne sais pas, ils auraient peut-être fait quelque chose. Et pour eux, ça faisait 18 mois que c'était une affaire quasiment réglée. Et d'ailleurs, la plainte de Corcieux a été classée, quoi. Il y a eu un non-lieu, voilà, parce que tout s'était arrêté. Effectivement, je l'ai sous la main, là, si tu veux l'appel, on peut peut-être l'écouter. Ah oui.
l'appel dont tu parles. Bah, je propose qu'on l'écoute. Oh, mais qui c'est, du bon? Qui? Ah, je me suis trompé. Bah, en fait, bon, je ne l'ai pas sous la main. Je l'ai pas sous la main, alors. Bah, je peux peut-être essayer de le trouver dans mes petits dossiers magiques. C'est l'appel à Liliane, oui. Ça, c'est l'appel de Jean-Marie, c'est pas le même. Appel à Liliane. J'ai mis ça, moi. Je l'ai quelque part, mais bon, tant pis. On le passera une prochaine fois. Oui. Mais c'est vrai que c'est un appel intéressant aussi, puisqu'il intervient beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, et puis qu'il est quand même très particulier. Il est très particulier, il donne vraiment l'impression d'un rendez-vous téléphonique, mais dans lequel Liliane, qui essaye de se faire dédouaner en quelque sorte, parce que justement, ils sont tellement soupçonnés par les autres membres de la famille, on a l'impression qu'elle demande un peu comme un service, ben appelle-moi pour qu'on voit que moi aussi je suis appelé et que donc c'est pas moi le corbeau, quoi. Et là, elle se fait doubler. Visiblement, elle se fait doubler par son interlocuteur qui en profite pour la persécuter à nouveau. Ouais, c'est un gros bluffeur. Ça aussi, ça fait partie des trucs que souvent, les gens ne prennent pas en compte, mais si eux, même quand il dit vous ne me trouverez jamais, tout ça, c'est du bluff aussi. Il n'est peut-être pas si sûr de lui que ça, mais en disant ça, finalement, les gens se disent, bah, comment il peut être si sûr de lui? C'est peut-être pas quelqu'un de si proche que ça. Mais il est très fort à ce niveau-là, quoi, pour semer le doute, la confusion. Et souvent, c'est pris au sérieux, quoi. Comme cette fameuse scène où il dit qu'il a vu Albert et Monique à Grange, tu sais, saluer des jeunes. Oui, ouais. C'est du bluff, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était la question numéro 11. À la 12. C'est parti. Oui, bonsoir. J'ai suivi vos vidéos sur Radio YouTube concernant l'affaire du petit Grégory. C'est passionnant. Bravo. Beau boulot. Je vais passer à la question. Je vais essayer de la faire le plus vite possible. Moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire, c'est l'orthographe de la lettre de revendication qui semble parfaite. Et bah ça en dit long, je pense, sur la personne qui a rédigé ce courrier, parce qu'il semble admis que tout ça a été rédigé dans la précipitation. Et bah il est aisé justement de faire des fautes d'orthographe. Et là, il y avait des petites coquilles à faire, je pense, dans ce courrier. Or, il n'y en a pas. Donc, voir un petit peu vos réflexions à ce niveau-là. Car à nouveau, moi je pense que ça en dit long sur la personne qui a rédigé ça. C'est soit une personne qui prête attention à son orthographe dans la vie de tous les jours, soit une personne qui, par son métier, est amenée à ne pas en faire. Voilà. Il est peut-être plus aisé aussi de maquiller. Il aurait pu maquiller la lettre en faisant des fautes. Il ne l'a pas fait. Et puis c'est peut-être moins facile de maquiller la lettre en n'en faisant pas, du coup. Donc voilà ma réflexion à ce niveau-là, et savoir si vous, de l'autre côté, vous avez eu aussi des réflexions sur ce sujet. Voilà, bonne continuation. Très bonne question, elle est intéressante en tout cas. C'est vrai que ça dépend un peu aussi de d'où on se place, quoi. Ça dépend du point de vue. Est-ce que cette lettre, elle a été écrite à l'arrache sur place, ou est-ce que c'était un truc un peu plus prémédité, elle existait déjà? Donc c'est tout ça qui reste à découvrir, quoi. Comment, dans quelles conditions elle a été écrite, est-ce que lui aussi il s'est pas dit, tiens, si cette fois je fais pas de faute, on pourra pas attribuer ça aux premiers écrits, ou tu vois, il y a peut-être une réflexion. Oui, on peut effectivement, on peut se poser beaucoup de questions. C'est certain que cette lettre qui comporte quelques pièges orthographiques, elle, il y a vraiment zéro faute. Tous les accents, ils sont bien placés, là où il faut, alors que les lettres précédentes, et on voit bien que ce sont des fautes volontaires, parce que les fautes de conjugaison, tout ça, sont des fautes relativement naturelles souvent, mais il y a des fautes qui sont vraiment tellement énormes qu'on sent qu'elles sont faites exprès. Alors, moi, je ne pense pas que cette lettre ait été rédigée à la va-vite, pas du tout, parce que, et en tout cas, d'ailleurs, la stylométrie, maintenant, dit bien, l'attribue
en principe à Jacqueline, et c'est certainement pas Jacqueline qui a enlevé l'enfant, ça certainement pas. Donc elle n'avait pas de raison de la faire la va-vite, et on revient à l'idée qu'on a eue pendant très longtemps, que la lettre était préparée d'avance, et probablement depuis longtemps. Parce qu'également, quelqu'un comme Bernard ne se serait pas promené dans sa voiture des enveloppes, des timbres, un stylo, du papier à lettres. Enfin, c'est le représentant de commerce qui se promène avec ce genre de choses. Et lui, c'était un bûcheron. Il avait probablement de la cordelette, ça c'est très possible. Il avait peut-être une hache, une scie et des outils dans sa voiture. Mais il n'était pas le genre à se promener avec un attaché-case. Hein. Donc, il y avait très peu de chances qu'il ait ce qu'il faut sur lui pour écrire une lettre comme ça en quatrième vitesse sur son volant et la poster dans la foulée. Donc là, on retrouve plutôt quelque chose qui paraît plus logique. Cette lettre a été préparée d'avance. Elle était conservée par le posteur. Si c'est Jacqueline qui l'a écrite, est-ce qu'elle s'est déplacée la poster elle-même? Est-ce qu'elle l'a donnée, elle l'a confiée à Bernard et que c'est lui quand même qui l'a postée? Enfin, on ne peut pas tellement bien savoir, puisque de toute façon, il n'a pas été vu près de la poste, qu'on a des grandes incertitudes sur l'heure du postage de cette lettre. Il y a quand même pratiquement trois quarts d'heure de battement. Hein. Donc, c'est un peu compliqué de savoir. Alors, en tout cas, elle ne comporte effectivement aucune faute. Ça, on est obligé de le constater, alors que les précédentes en ont beaucoup. Peut-être, c'est comme tu dis, Daniel, parce que justement, il veut se démarquer des corbeaux précédents, des auteurs précédents. Ça ne marche pas très bien, puisqu'apparemment, la stylométrie lui attribue quand même au moins cette lettre-là à Jacqueline, et des expertises en écriture lui ont attribué Q2 et Q3, je crois, c'est-à-dire une lettre en script et une lettre en cursive. Mais c'est de l'expertise en écriture. Cette fois, ce n'est pas forcément la stylométrie. Si elle a eu tout son temps, elle a pu... elle a même peut-être pu en rédiger plusieurs, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de faute. Ou alors, ce n'est pas la même personne. Et les lettres précédentes étaient d'un autre corbeau. C'est possible. Si c'est un copycat, par exemple, il n'est pas encore au courant qu'il y avait des fautes d'orthographe dans le courrier, dans les courriers précédents, en tout cas. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas publié dans la presse. Voilà. Peut-être, effectivement. Voilà, on ne peut pas... Là, c'est vrai qu'on est dans une très grande incertitude. Cette lettre a de toute façon toujours posé beaucoup de questions. Elle ne revendique pas clairement un crime. Elle est ambiguë. Elle est ambiguë. Tu mourras de chagrin. C'est pas ton argent qui te rendra ton fils. Mais... ça peut laisser une ouverture que ça pourrait être autre chose qui te le rendrait. Voilà, il n'est pas écrit en toutes lettres, je viens de tuer ton gosse, quoi. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi clair. Et puis ça se termine par pauvre con. On ne sait pas exactement si c'est une lettre de revendication de crime ou de simplement d'enlèvement. On s'est toujours posé beaucoup de questions sur cette lettre et la découverte que ce soit très probablement pas le ravisseur, mais Jacqueline Jacob, si les résultats de la stylométrie sont exacts, ça ne fait que poser des questions supplémentaires sur son rôle à elle, où ça a été, ce que... Voilà. Je crois qu'on ne peut pas tellement en dire plus hein, dans l'état actuel des choses. On est quand même dans l'attente de développements nouveaux maintenant. Peuvent être longs à venir, mais je crois qu'on est tous dans cette période d'attente, voilà, devant les suites. Voilà, il faut en savoir plus. Et méfions-nous des contrefaçons aussi. Parce que voilà, il peut y avoir aussi des fausses informations, voilà. Des journalistes manipulés, enfin, il y a plein de choses possibles, mais voilà. Effectivement, là, je montre l'expertise de 93. Et donc, ils disent... Comparaison nous permet de mettre hors de cause M. Jacob Marcel. Seule l'écriture de Mme Jacqueline Thuriot, épouse Jacob, a retenu notre attention en raison de certaines ressemblances observées avec le graphisme de question. Voilà. Et je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on aura plus d'infos hein, sur la stylométrie. Mais c'est peut-être pas mal comme ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de fuites.
Il n'y a pas beaucoup de fuites. Et en tout cas, ce qui paraît certain, parce qu'on en a des échos aussi par des relais locaux, c'est que les auditions continuent et de façon assez intensive. Hein. C'est pas. On continue à auditionner des gens, soit des gens qui ont déjà été auditionnés, soit de nouveaux témoins de toutes les générations. Et apparemment, c'est un rythme assez dense. Donc, je pense qu'on est toujours à la recherche de nouveaux témoins, de témoignages, de confirmations de choses. Ça travaille à Dijon, c'est sûr. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Espérons qu'on ait bientôt plus d'infos. Mais pour une fois, j'ai vraiment l'impression que tout reste plus ou moins secret. Alors que c'est vrai qu'avant, on avait l'impression que tout sortait instantanément dans la presse. Et c'est vrai que c'est pas un bon cadre pour trouver la vérité, quoi. Si on est toujours devancé. Voilà pour cette question. On va passer à la question numéro 13. C'est parti. Oui, bonsoir Radio YouTube. Je trouve qu'il y a tout un tas d'indices qui orientent l'enquête envers les époux Jacob. Est-ce que vous pourriez les reciter les uns après les autres et aussi nous dire si vous avez quelques informations concernant la période où on aura les résultats des tests ADN et aussi à savoir si vous pensez qu'il est probable qu'un procès s'ouvre prochainement. Voilà, merci, ciao. Alors, c'est un peu dans la même trame que les questions précédentes. Peut-être sur l'ADN, on avait répondu à ça aussi sur le répondeur 2. Ça va mettre longtemps quand même. Hein. Oui, je pense. Oui, la première partie de la question, je pense qu'on a déjà bien répondu hein, sur ce qu'on peut envisager qui pèse sur les Jacob. Je crois qu'on a déjà suffisamment développé ça. Voilà. Alors, en ce qui concerne les résultats ADN, oui, je crois que bon, tout le monde est là à trépigner parce que c'est normal d'ailleurs hein, qu'on ait une certaine impatience. On espère beaucoup de ces résultats ADN. Moi, j'avoue que je ne suis pas très optimiste. Les prélèvements qui ont été faits sont de très mauvaise qualité. Ce sont des ADN extrêmement incomplets, très mêlés, superposés. Il y avait déjà la plupart des protagonistes avaient déjà été prélevés, il y a eu beaucoup de prélèvements de faits, rien n'a matché, jamais. Par ailleurs, dans la mesure où à l'époque on ne savait pas que l'ADN pouvait s'exploiter comme ça en criminologie, il n'y a pas eu de précaution de prise, donc toutes ces pièces à conviction ont été manipulées par des quantités de gens. Par des gendarmes, par des greffiers, par les gens qui les mettent dans les sacs, dans les sachets plastiques, chaque fois qu'on les sort, y compris peut-être par des femmes de ménage, par des gens qui rangent. Enfin, c'est inimaginable le nombre de gens qui peuvent avoir laissé leurs empreintes dessus. Donc, on a non seulement ça risque d'être très long, parce que les ADN sont de mauvaise qualité, donc on est obligé de refaire des vérifications et des revérifications. On essaie d'agrandir avec des systèmes, enfin je ne veux pas rentrer dans des choses un peu trop techniques, mais par exemple la LCL, la Low Copy Number, qui permet à partir de même une seule cellule de la dupliquer suffisamment pour avoir un petit peu plus de matériel génétique. C'est très long, on est obligé de refaire plusieurs fois, il y a des contaminations qui peuvent se produire. Donc, de toute façon, si on veut des analyses sérieuses, c'est déjà extrêmement long en admettant que les laboratoires n'aient que ça à faire. Or, malgré tout, c'est quand même un cold case, il ne faut pas l'oublier. Et c'est sûr qu'un laboratoire de police scientifique va traiter en premier un criminel qui est encore dans la nature, qui est par exemple un criminel en série, qui risque de commettre un autre crime dans les jours ou les semaines qui viennent. C'est certainement prioritaire d'identifier ça, si on a la chance d'avoir une trace ADN, que d'identifier des ADN vieux de 36 ans dont on sait qu'ils sont de très mauvaise qualité et que ça ne changera plus rien à la situation de toute façon. Il faut aussi qu'on soit conscient de ça. C'est pas forcément... Pour nous, c'est une affaire qui nous intéresse, ça nous paraît prioritaire, mais ce n'est pas une affaire prioritaire et ça ne peut pas l'être, ça ne serait pas légitime que ça le soit.
Tout à fait. Donc, Il y a aussi une question de moyens aussi, ça coûte super cher tout ça. ça coûte très cher. En plus, ça coûte très cher. Alors, c'est vrai que là, les parents ont demandé et obtenu que soient prélevés 37 ADN supplémentaires dans un milieu un peu plus élargi, jusqu'au milieu professionnel. Bon, on essaye d'élargir le cadre puisque ça n'a pas matché dans la famille et les protagonistes les plus connus et les plus proches. Peut-être que par ce biais-là, on peut peut-être arriver. Mais enfin, il y a quand même très peu de chances de penser que le criminel soit dans un cercle tellement plus éloigné, quoi. Il y a quand même tout le reste des éléments qui vont dans le sens d'un crime intrafamilial et forcément par quelqu'un de très proche, parce qu'il fallait disposer d'un nombre d'informations considérables qu'un voisin très éloigné ou alors à plus forte raison qu'un collègue très éloigné n'avait aucun moyen de connaître. Donc, je suis pas sûr que cet élargissement, ça aide tellement. Alors, par ailleurs, donc il y a 9 ADN. Je pense qu'on a choisi ceux qui. Je crois qu'il y en a 22 non identifiés hein, au scellé. On a dû choisir, je suppose, les 9 meilleurs et on les a adressés au FNAEG, donc au fichier national un des empreintes digitales, en demandant également que ce soit élargi aux recherches de parentèle. C'est-à-dire que si un ADN qui a simplement des séquences communes, sans matcher en totalité, vient à rentrer au FNAEG, parce que c'est quelqu'un qui aura commis une infraction quelconque, voilà, donc son ADN est prélevé et rentrera au fichier national. Si jamais il match avec cet ADN qui s'avérerait un peu commun, ces séquences communes, on va essayer de remonter l'arbre généalogique et de voir quelle personne de la famille. Et puis en remontant, on va essayer de remonter à l'ADN original que ça pourrait être. C'est vrai que ça a permis l'élucidation de quelques cold cases célèbres récemment, en particulier dans l'affaire Élodie Cudic. Bon, c'est par l'ADN de parentèle que finalement on a pu remonter à l'ADN de Bardot. Mais en même temps, c'est encore plus aléatoire, je dirais. Parce que c'est vrai que ça suppose donc qu'un ADN rentre. Ça peut être demain comme ça peut être jamais. Parce que ça a déjà été comparé à ceux qui sont présents au FNAEG et ça ne matche pas. Donc c'est un hasard complet. Et en plus, si par miracle rentre un ADN qui matcherait et un ADN de parentèle, on n'a aucune idée si ça pourrait être un éventuel suspect ou tout simplement un parent d'un de ces manipulateurs de scellés, et où là, alors, le nombre de gens qui ont manipulé ces scellés depuis 36 ans, ça doit être considérable. Donc, on tombera peut-être tout simplement sur un enquêteur, sur voilà, un greffier quelconque. Femme de ménage. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'on a tendance à trop attendre de l'ADN. À l'heure actuelle, on n'arrête pas de dire, c'est la reine des preuves, etc. C'est pas si vrai que ça. D'abord parce qu'il y a eu il y a eu des cas non pas de faux positifs, c'est pas ça, mais il y a eu des criminels suffisamment astucieux pour se débrouiller, pour récupérer des ADN qui n'étaient pas le leur en lieu et place, du leur, par exemple des préservatifs usagés récupérés dans des poubelles, enfin des choses comme ça. Les criminels deviennent très astucieux, hein. Après, à l'époque, c'était pas encore une technique utilisée, Non, donc on peut non, imaginer c'est qu'il n'y ait vrai. pas. Mais ce que là, je parlais de façon plus générale, c'est excessif de dire que c'est la reine des preuves. Et il arrive aussi que l'ADN, même présent, ne prouve rien. Elle ne prouve pas forcément que quelqu'un est un criminel. Par exemple, si on trouve l'ADN de la nourrice sur les vêtements de Grégory, ça ne prouvera rien. De même que si on avait trouvé celui des parents. Parce que ça serait tout à fait logique que leur ADN y soit. Ah, donc ce serait pas suffisant pour un renvoi en cour d'assises ou... Mais pas du tout, pas du tout. Donc je crois qu'il faut quand même rester plus raisonnable et prendre un peu de distance là-dessus et ne pas croire que tout viendra de l'ADN. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dan. Je Il crois s'est endormi. qu'il s'est endormi. Il s'est endormi. Le pauvre Dan, il s'est endormi. Bon ben, Non, non, ah. je suis là, je suis là. Bon, oui, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'ADN reine des preuves?
L'ADN montre que quelqu'un est rentré en contact avec l'élément qui est contrôlé, qui est analysé. Voilà, alors on peut en effet avoir des personnes qui ont été en contact et c'est tout à fait normal. Et en effet, si la nourrice est entrée en contact, pour, si on retrouve quelque chose, l'ADN de la nourrice sur les scellés, bah, ça sera tout parfaitement logique puisque bah, l'enfant sortait de chez la nourrice et a été récupéré par la maman. Donc en effet, ça ne prouverait absolument rien. Et si on retrouve l'ADN de quelqu'un qui n'est ni un enquêteur, ni quelqu'un qui avait une raison d'être en contact avec Grégory avant son décès, ben, faudra se poser des questions. Mais si on retrouve l'ADN de personne, je sais pas, peut-être la maîtresse ou un camarade de classe, Bien sûr. bon, là, pour le coup, ben, ça ne donnera rien. Mais bon, après tout, pourquoi ne pas essayer? Bien sûr que ce sont des choses qu'il faut faire. Mais il ne faut pas en attendre des miracles. Non, non. Ni que ce soit rapide, en plus. En Moi, je plus. me dis que si on a des résultats en fin d'année 2021 ou début 2022, ça sera déjà très bien. Ça voudra dire qu'ils ont travaillé beaucoup plus rapidement que les fois précédentes. Exactement. Donc voilà pour cette question. Et alors je préviens le public, on est à moins deux questions avant Titine. Donc voilà. En tout cas, ouais, c'est vrai que le live il est un peu plus long que d'habitude, mais ça faisait longtemps puisqu'on n'avait pas fait de répondeur. On a tellement de questions, donc je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Et encore, il faut dire qu'on n'a pas pris toutes les questions, bon, parce qu'il y en a qui se recoupent aussi. Donc, voilà, on choisit la plus synthétique, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont redondantes. Hein, vous êtes plusieurs à envoyer la même. Puis il y a d'autres questions qui étaient trop difficiles à traiter ou trop longues et qui seront repoussées à un répondeur suivant. Mais c'est vrai qu'on en a énormément et que le choix est difficile, hein, d'ailleurs. On en discute longtemps avant de sélectionner. Voilà. C'est souvent même. C'est dommage de ne pas pouvoir tout en prendre plus. Hein. On est nous-mêmes dans le regret de ne pas pouvoir en prendre plus. Oui, mais je pense que même pour la rentrée, on pourra faire un marathon. Voilà, on les fera toutes. Il n'y aura pas de questions qui resteront sans réponse. Je propose de passer à la question 14 de Manon. Bonjour et merci pour vos superbes émissions. Je m'appelle Manon et ma question est la suivante. Que sait-on exactement des conditions du premier interrogatoire de Muriel Boll, qui participait à l'interrogatoire avec le colonel Sesma? Et est-ce que ces gendarmes ont-ils bien été interrogés par l'inspection générale de la gendarmerie? Voilà, c'est trois questions pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup et excellente journée. Bonne question, Manon. Je crois qu'il y a eu une plainte hein, contre les gendarmes. Et ça a duré assez, enfin, ça a duré longtemps. Et je crois qu'à la fin, la 16 maths, en tout cas, était innocentée, quoi, plus ou moins ça. Bien sûr, les gendarmes il y a bien entendu eu. Déjà, ils ont eu une inspection interne des services, bien entendu. La plainte a été instruite longuement. Ça a été passé vraiment au peigne fin. Et il y a eu plusieurs décisions de justice. Enfin, les gendarmes ont eu un non-lieu. Enfin, les familles plaignantes sont allées en appel. L'appel a été rejeté, ils ont été déboutés, donc ils sont allés en cassation, et ils ont été déboutés également en cassation, et donc le non-lieu des gendarmes reste complètement. Voilà, ils ont bénéficié d'un non-lieu qui est totalement valide. Vraiment, les précautions. Je pense qu'elle a été interrogée dans de très bonnes conditions pour l'époque, au-delà de ce que la législation de l'époque imposait. Elle était d'ailleurs très détendue, très souriante. Ils ont fait venir un médecin. Elle a pu avoir sa mère au téléphone. Elle a pu voir son père deux fois. Elle n'a pas pu voir ses frères, mais ils sont venus à la gendarmerie. Ils ont été reçus. Voilà. Bon, elle a été interrogée
non pas comme suspecte, mais uniquement comme témoin. Donc, elle n'avait aucune raison d'être bousculée ou quoi que ce soit. On a fait venir une femme gendarme pour la surveiller la nuit. Elle n'a pas du tout dormi en cellule ni rien. On lui a mis un lit de camp dans un bureau. On lui a prêté une télévision. C'est l'infâme d'un gendarme qui lui a préparé un repas. Elle était d'ailleurs tellement emballée quand on l'a ramenée chez ses parents qu'elle a dit au gendarme qui la ramenait que oh, elle voulait devenir gendarme elle aussi, que c'était vraiment très bien comme métier. Et voilà, bon, ces gendarmes ont été accusés vraiment tout à fait à tort dans les confrontations. D'ailleurs, on en a parlé tout ailleurs quand elle dit qu'on l'a menacée de maison de correction. En réalité, quand on lui a dit alors, est-ce que c'est le gendarme Burton, est-ce que c'est ce gendarme-là, est-ce que c'est celui, eh ben non, finalement, il n'y en a aucun. Elle n'a pas osé les accuser en face, donc il n'en reste aucun parmi ceux qui les ont qui l'ont interrogé. Les officiers n'ont pas été tellement présents. Parce qu'encore une fois, ça n'était qu'un témoin, ce n'était pas le coupable, on ne tenait pas l'assassin de Grégory. Hein. Donc elle a été interrogée par des OPJ de base, hein, des sous-officiers ou des non-gradés. Et puis Sesma est passé deux ou trois fois, je crois qu'il... Il y a le rapport de Sesma, hein, Daniel, que tu as, je crois qu'il le dit, il décrit à peu près combien de fois il est passé. Je crois que Chaillant est passé. Lui a serré la main d'ailleurs et lui a dit allez, tu vas voir, tout va bien se passer, enfin avec un grand sourire. Voilà, bon, les officiers étaient peu présents, ils étaient là dans la gendarmerie, mais ils n'ont pas participé aux auditions. Tout était calme et tout se passait bien. Donc voilà, tout ce qui a pu être raconté, c'était dans le but de faire annuler. De faire annuler cette garde à vue, ce qu'ils ont fini par obtenir. Hein. Et le fait même d'ailleurs que les avocats de Muriel se soient tellement acharnés pendant tant d'années et pour finalement réussir en 2018 à faire annuler les propos tenus en garde à vue, le fait même qu'ils se soient autant acharnés à les faire disparaître, pour moi c'est la meilleure preuve que Muriel a dit la vérité. Parce que si ça n'avait pas été le cas, ça n'a pas servi à grand-chose au final, puisqu'elle avait réitéré tout ça devant Lambert. Absolument. Tout ce qu'elle a dit de plus important reste au dossier de toute manière. Et voilà, bon, ça ne peut plus servir à grand-chose en ce qui concerne Bernard Laroche, puisque malheureusement, il a été assassiné. Enfin, pour moi, cette annulation de garde à vue, c'était clairement pas une manipulation, mais une tactique, surtout pour l'opinion publique. Parce qu'au final, ils ont utilisé la loi actuelle, qui est plus conforme. Enfin, la loi de 84, de 84 est plus conforme à la loi de 2017. Et du coup, ils ont pu faire sauter ça par ce biais. Mais c'est vrai que si les gens ne sont pas au courant, en fait, on a l'impression qu'il y a eu des erreurs graves du côté des gendarmes, tout ça. Donc, c'était assez raffiné au niveau de la communication. Mais ça n'est que de la procédure et de la communication. Ça n'est vraiment voilà. Que ça. Oui, puisque dans le fond, les éléments restent par rapport à ces déclarations devant Lambert, mais c'était assez habile, parce qu'on retrouve cet argument quand même assez souvent. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse, moins que Dame veuille rajouter quelque chose, je crois qu'on n'a pas. Je crois qu'on a à peu près. Non, rien de plus. Rien de plus. Si ce n'est qu'en tout état de cause, ce qui montre aussi que cette Messa, on l'a déjà, ou je l'ai déjà redit par ailleurs, que ce qui montre que finalement on peut penser que ce qui a été dit correspond à la réalité, c'est que la rétractation n'a pas été spontanée, c'est-à-dire que bien sûr. Elle a été interrogée, voilà, elle a dit des choses, et puis finalement, en sortant de la garde à vue, elle ne s'est pas précipitée pour dire « mais on m'a fait dire n'importe quoi, j'y étais pas ». Voilà. Bon. On voit bien que sa rétractation, elle a lieu... Lorsque le juge Lambert va dire des choses à la télévision et révéler que c'est elle, c'est voilà. Par ce biais-là qu'on a mis Bernard Laroche, qu'on a inculpé Bernard Laroche. Voilà.
Et c'est après la rousse, parce que le week-end, bon, elle est ramenée chez elle, elle réitère le lundi chez le juge Lambert exactement les mêmes propos, dans les mêmes termes, ou à peu près. Mais après, voilà, il se passe quelque chose, il y a la fameuse soirée de la rousse, et alors là, bien sûr, et l'impression générale de la greffière, des gens qui prennent cette déposition le lendemain quand elle vient en rétractation, tout le monde a l'impression que c'est à ce moment-là qu'elle récite un truc appliqué et qu'elle ment. Alors qu'elle paraît complètement sincère, enfin complètement, c'est peut-être excessif. Elle paraît sincère, bien que réservée, disons, pendant la garde à vue. Elle n'a sans doute pas tout livré, elle savait plus de choses que ça, mais enfin, elle a essayé de ne pas trop en dire, disons, mais que ce qu'elle dit est honnête et sincère. Alors que la rétractation, non. On sent bien qu'elle a pris par cœur un texte et elle dit que ce qu'on lui a dit de dire. Voilà, donc voilà pour cette avant-dernière question de Manon. Merci à toi. Et merci à tous, hein, d'ailleurs, pour toutes vos questions, parce que c'est pas simple. Et au début, quand moi j'ai lancé le répondeur avec la team, j'avais un peu peur de recevoir aucune question et m'avancer un peu trop, tout ça. Et du coup, je suis vraiment content que ça marche. Donc, continuez, hein, ça fait vraiment plaisir. Je pensais peut-être à un concept aussi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, vous pouvez aussi exprimer votre opinion sur ce répondeur, finalement. La minute, voilà, qui serait là pour un peu contredire ce qu'on a dit. Voilà, moi, je serais même motivé de la passer. Je trouve ça intéressant. Donc, c'est dit. Et donc, maintenant, on passe à la dernière question de Titine. Oui, bonjour. C'est Titine Toulouse. Alors, j'ai une question aujourd'hui par rapport à la meilleure amie de Monique, Christiane Aubry. J'aurais voulu savoir comment vous voyez ce personnage, si cette personne aurait pu, par l'intermédiaire d'autres personnes au Café des Ouvriers, colporter des informations recueillies auprès de Monique lors de ses visites. Voilà, merci. Bonne question aussi. Alors... Du coup, j'ai un peu vérifié. De toute façon, moi, je m'étais vachement intéressé au Verdu en général. Mais alors, Christiane Verdu, c'est la femme de Pascal Verdu. Mais par contre, l'anecdote avec... ça se passe dans un bar tabac. C'est quand Monique va jouer au loto. Et là, c'est la belle-sœur, en fait. Donc, c'est Anne-Marie Verdu. Donc là, j'ai un petit PV qui illustre un peu le propos. Je sais pas trop ce qu'on peut dire là-dessus. Est-ce que ça vient vraiment de cette personne ou est-ce que c'est Monique qui en a parlé un peu partout On sait, voilà, qu'elle parlait beaucoup. Hein. Monique était tellement bavarde. D'ailleurs, pour la table d'écoute, elle s'est débrouillée pour que tout le monde le sache. Et pour les rétroviseurs, c'est la même chose. Je pense qu'elle l'a raconté un peu à tout le monde. Alors, c'est vrai que les premiers témoins, c'était donc le beau-frère Nonoche, puisque c'est lui qui a aidé à les poser. Mais je crois que Bernard Laroche est passé devant la maison aussi à ce moment-là et qu'il a vu qu'on était en train de les poser. Et puis, je crois que Monique en a parlé là aussi en disant on est en train de poser des rétroviseurs. C'est ça, on a parlé un peu à tout le monde. Donc, à partir du moment où l'information circule en plus dans un café avec tous les consommateurs, etc., enfin, c'est impossible de remonter la filière que suit une information comme ça. C'est voilà, donc il n'y avait même pas besoin sur le document là que je suis en train de montrer. On voit qu'en plus ce jour-là, en fait, où ils sont en train de mettre les rétros, il y a Bernard Laroche qui passe, voilà, c'est ça. Donc lui aussi il est au courant, il est toujours au bon endroit, toujours. Qui, de toute façon, Michel les a vus, bien sûr, et était au courant. Et comme Michel racontait tout à Bernard Laroche, alors voilà, bon, il ne savait pas garder le moindre secret, quoi, dans cette famille. Ouais, et donc, apparemment, du côté Verdu, ils avaient le Café des Ouvriers et un bar tabac, qui était dans, je crois, c'est l'Atre Tassigny, ou la rue principale de Granges-sur-Vologne. Donc, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et du coup, on arrive à la fin de répondeur numéro 3. Ah, il y a une dernière question. Il y a une dernière question, Daniel. Bah, effectivement. Il y a une numéro 16. Ah, tu vois. Il y a une numéro 16, effectivement. hop, hop, hop.
Numéro 16. C'est bon, je l'ai. Alors, c'est parti. Bonjour à l'équipe de Radio YouTube. C'est moi, mon précédent message voilà, n'était pas beau. C'est la première fois que j'appelle. Félicitations pour votre travail. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur Marie-Ange Laroche, le fait qu'elle n'ait pas pardonné à Muriel Boll d'avoir incriminé Bernard Laroche. Moi, je pense que c'est une preuve que Muriel Boll a dit la vérité. Parce qu'à l'époque, elle avait 15 ans, c'est sa sœur. Moi, je ne sais pas, ça aurait été ma sœur, je lui aurais pardonné. Et le fait qu'elle ne lui a pas pardonné, ça veut dire que Muriel Boll a dit la vérité quand elle a dit que Bernard Laroche est venu la chercher et qu'il est impliqué dans l'enlèvement de Grégory. Voilà, bonne journée, au revoir. Très bonne réflexion, c'est assez smart. Après, on ne sait pas vraiment si elle lui a jamais pardonné. C'est pas très clair, hein, parce qu'il y a des photos de mariage, quoi, où elles sont ensemble. Et puis, Marie-Ange, elle a des versions contradictoires, si je me souviens bien. Il y a quelques années de décalage, elle va dire qu'elle se revoit, et puis ensuite, elle va dire qu'elle n'a plus jamais revu. C'est compliqué. Il y a peut-être aussi, voilà, le fait de parler devant des médias, tout ça, il y a peut-être aussi pas un petit peu d'honneur ou quoi qui modifie un peu aussi ce que Marie-Ange va dire. Mais effectivement, le fait qu'elle la pardonne pas, si c'est vraiment le cas, c'est plutôt un indice qu'elle lui en veut vraiment, alors que on pourrait se mettre à sa place. Hein. Si leur version est la vraie, elle aurait toutes les raisons de lui pardonner, quoi. Moi, je suis de cet avis. Je trouve que c'est une réflexion très intelligente et qu'effectivement, bon, alors c'est vrai que Marie-Ange a dit à plusieurs reprises qu'elle ne se voyait plus du tout, et on a des tas de preuves qu'elle se voyait au contraire encore beaucoup. Elles sont allées, enfin, soit dans des occasions judiciaires, soit même autrement. Elle se voyait, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle lui a pardonné. Elle cohabitait, mais enfin, peut-être que la relation n'a plus jamais été de la même qualité entre les deux sœurs, c'est probable. Et je pense qu'elle lui en a toujours voulu et qu'elle a toujours considéré que Muriel portait une grosse responsabilité dans la mort de son mari. Et Muriel le pense elle-même, je crois. Hein. Je pense que c'est une culpabilité terrible qu'elle doit porter, cette pauvre Muriel qui n'était qu'une gamine quand même à l'époque. Mais je pense aussi que c'est très juste, sinon elle lui aurait pardonné. Et donc, si elle n'a pas pardonné, c'est que c'était une vraie dénonciation, je pense. Et voilà. Et là, on revient d'ailleurs à ce qu'on vient de dire, que l'acharnement même des avocats à faire annuler cette garde à vue, ça n'aurait pas tellement d'importance si ce n'était pas vrai. Ce serait un témoignage contradictoire parmi tant d'autres. Il y en a plein, plein, plein dans le dossier comme ça. Le fait de s'acharner à ce point pour la faire supprimer... pour faire supprimer ses déclarations, ce qui n'a que partiellement réussi, c'est la preuve que ça gêne terriblement. Et il n'y a que la vérité qui peut gêner. C'est mon opinion aussi, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas net. Mais bon, après, c'est aussi difficile. Hein. Ils doivent se défendre. C'est vrai que quand tu es accusé comme ça, des fois, tu peux être tenté aussi de prendre des facilités, de jouer sur l'opinion, et ça fait, et même si t'es innocent, quoi. Je repense par exemple au croisement, tu sais, avec Clodon, Méline, tout ça, peut-être que là aussi, à un moment, Jean-Marie, ils se sont peut-être un peu arrangés aussi pour avoir un chrono plus avantageux, tu vois, et ça en fait pas des coupables non plus. Ça, c'est vrai que le croisement de l'Evelyne, si c'est parce que tu veux teaser un peu, il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, là aussi, ouais. Là-dessus, mais je pense que tu y consacreras autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais moi, je trouve que cette remarque très intelligente, c'est une très bonne clôture de ce répondeur, parce que voilà, c'est une bonne conclusion de penser qu'en effet, tout permet de penser que Muriel a dit certainement pas toute la vérité, mais que ce qu'elle a dit était vrai. Et que la réaction de son entourage est la meilleure preuve, et de ses avocats, c'est la meilleure preuve que c'est la vérité.
Voilà. Est-ce que quelqu'un veut faire une petite conclusion, dame? Moi, je vais souhaiter une bonne. Je vais remercier tous les auditeurs de ce répondeur qui ont été nombreux et je vois que nous sommes encore nombreux en ligne. Et je vais souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit à tout le monde et en disant à la prochaine fois. Electra. Eh bien, voilà. Même chose. Bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir été si patient et si nombreux encore si tard. Et puis, à la prochaine fois, avec un grand plaisir, pour traiter tout ce qu'on n'a pas pu prendre cette fois-ci et qu'on tâchera de traiter dans une prochaine séance. Voilà, ben, je ne peux pas dire mieux. En tout cas, merci à tous, toutes les personnes qui ont appelé. C'est vraiment grâce à vous qu'on peut faire aussi ce format. Donc, merci à vous. Et merci au chat ce soir il a vraiment été irréprochable. J'ai rien vu, aucune insulte, tout ça, alors qu'on est vraiment beaucoup. Donc merci à vous pour votre courtoisie et j'espère qu'on pourra continuer comme ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et on finit en musique avec un petit Schubert. Allez, ciao ciao.